Claudine Honoré, pédiatre pharmacien. Docteur Claudine Honoré, médecin et pharmacien de profession, est actuellement médecin de service en pédiatrie à la HUEH et un des responsables de la clinique d'épilepsie de Port-au-Prince, CLIVDEP. Ancien résident chef en pédiatrie à la HUEH et ancien instructeur clinique dans deux universités de la capitale, il a bénéficié de stages de perfectionnement au Centre hospitalo-universitaire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et à Cardinal Children's Hospital de l'Université de Missouri aux États-Unis. Peu après, il a bénéficié en 2010 d'une formation en neurosciences à la Hispaniola School of Neuroscience à Santiago, en République dominicaine, puis d'une autre formation en électroencéphalographie, épilepsie et maladies neurologiques en pédiatrie au Centre hospitalo-universitaire Sainte-Justine, Montréal, Canada. Docteur Honoré est l'un des deux conférenciers principaux qui vont présenter l'épilepsie en Haïti, défis et perspectives. Docteur Guy Berbartelmy est neurophysiologiste et professeur à la faculté de l'Université d'État d'Haïti, à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Il est aussi l'un des deux conférenciers principaux pour l'épilepsie en Haïti, défis et perspectives. Ernest J. Berbartelmy est actuellement résident en chef en neurochirurgie à l'Icahn School of Medicine à Monsanaï et termine sa septième année et dernière année de résidence en neurochirurgie. En juillet 2021, il entamera un stage post-universitaire en neurotraumatologie à l'Université de Californie à San Francisco. Il a obtenu son doctorat en médecine de l'ISMMS en mai 2014 était diplômé en recherche en éducation médicale et en excellence clinique avec distinction. Il est président et cofondateur de la Society of Haitian Neuroscientists, organisation de 46 membres de professionnels des neurosciences dédiés à inverser les conséquences sociales de la fuite du capital humain, c'est-à-dire de la fuite des cerveaux en Haïti. Ses intérêts de recherche comprennent le neurotraumatisme, la politique de santé mondiale et la performance du système de santé. Et Dr. Derivois va lire ce qu'il va échanger avec nous, ce qu'il voulait échanger avec nous sur les défis et les perspectives de la neurologie et l'épilepsie en Haïti. Dr. Jean-Robert Deroulo, neurologue, est chef du département de neurologie à Long Island Jewish Valley Swim depuis 2006. Dans cette dernière structure de santé, il a été nommé médecin de l'année 2017. Il est également un attending physician en neurologie à Mercy Medical Center depuis 1993 à nos jours. Il est directeur du service des accidents cérébrovasculaires à Franklin Hospital à New York depuis 2005 à nos jours, où il a été élu médecin de l'année en 2011. À Long Island Jewish, il est l'auteur d'un chapitre du textbook en neurologie publié aux presses universitaires de Cambridge. Après des études de médecine à la faculté de médecine de l'UEH, il a effectué une spécialisation aux États-Unis de 89 à 92 en neurologie, puis un fellowship en maladies neuromusculaires. Il a effectué de très nombreuses missions de travail et d'éducation en Haïti avec la MHE, Association des médecins haïtiens à l'étranger. C'est avec plaisir, il va nous rejoindre, qu'il a accepté d'échanger sur le diagnostic et le traitement de la rose épileptique en Haïti. Bonne écoute à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci, Darlene. Donc, encore une fois, je rappelle aux membres du comité qu'ils peuvent intervenir à tout moment et en ouvrant leur micro et l'utilisation des données. Et nous rappelons à nos participants qu'ils peuvent utiliser la messagerie, le chat, pour poser des questions au fur et à mesure. Et ces questions seront présentées aux conférenciers et aux intervenants dans la deuxième heure, après donc les différents interventions. Donc, docteur Honoré, si vous êtes prêt. Bon, je salue tout le monde. Je suis docteur Berbartelmy, physiologiste et neurophysiologiste clinique. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir à cette présentation concernant l'épilepsie en Haïti, défis et perspectives. Nous commençons par une considération épidémiologique à propos de l'épilepsie. Il y a un trouble cérébro-primaire grave, le plus courant, touchant environ 50 millions de gens dans le monde, et qui, pour l'OMS, compte pour 1% de la morbidité, donc soit l'équivalent de la morbidité du cancer
des poumons chez l'homme et du cancer et du sein chez la femme. Et en moyenne, chaque année, il y a environ 10 à 20 textbooks donc, qui sont publiés à propos de l'épilepsie. Donc, c'est un problème donc, qui est quand même très préoccupant. 80% des personnes épileptiques se retrouvent dans les pays en développement. Et dans ces pays en développement, les approches modernes de diagnostic et de traitement n'existent pas ou ne sont pas en point. Et plus de 90% des personnes épileptiques dans ces régions ne reçoivent pas aucun traitement du tout. Donc, l'incidence de l'épilepsie est, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, c'est 40 pour 100 000. Dans les zones rurales, selon des études menées par ILAE, qui est la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie, c'est 49,3 pour 100 000. En Équateur, c'est 122 pour 190 000, 122 à 190 pour 100 000. Et ces études ont révélé, dans un pays comme l'Éthiopie, c'est 64 pour 100 000. Et les cas d'incidence surviennent le plus souvent chez les très jeunes et les très vieux. Par exemple, les études ont démontré qu'aux États-Unis, c'est 82, l'incidence est de 82 pour 100 000 personnes donc, pour la tranche d'âge de moins d'un an et de 77 pour 100 000 donc au-delà de 60 ans. Et l'incidence cumulée dans les pays développés, c'est estimé environ à 1% donc pour la tranche d'âge de moins de 15 ans et à 3% à 74 ans et à partir de 85 ans, c'est, l'incidence cumulée donne pratiquement 4,4%. La prévalence de l'épilepsie, c'est beaucoup plus facile à évaluer donc, que l'incidence selon et l'OMS, donc l'épilepsie est considérée comme active parmi les personnes épileptiques qui ont eu au moins une crise ou ont pris des antiépileptiques pour les crises au cours des deux dernières années précédentes. Cependant, la plupart des études épidémiologiques définissent une personne souffrant d'épilepsie active comme n'importe qui ayant des antécédents d'épilepsie, une crise d'épilepsie ou a été placée sous des médicaments antiépileptiques pour les crises depuis, disons, durant les cinq dernières années. Par exemple, pour CLIDEP, nous n'avons pas les données de prévalence et d'incidence, mais nous avons perdu notre base de données. Mais le docteur Marcel Sévère, et pédiatre qui travaille avec nous, avait pour l'année du mois de juin 2008 au mois de mai 2009, donc, on avait réalisé un total de 442 EEG. Donc, sur le total, 300 étaient normaux, donc 142 étaient anormaux. Et on avait eu environ 40 EEG en moyenne par mois. Et il a trouvé que 54, soit 38% des EEG anormaux, montraient donc, des altérations épileptiformes. 51, soit 36%, montraient donc, une dysfonction lente. Et 37, soit 26% des cas présentaient à la fois des altérations épileptiformes et une dysfonction lente. Et 105, soit 74, présentaient épilepsie et dysfonction lente. Et ça, c'est un tableau qui montre l'incidence pour à plusieurs pays à partir des études de la méta-analyse réalisée par la ILAE. Pour l'historicité, donc, je vous présente ici, c'est un tableau de la British Museum of London et c'est date du 12e siècle là où c'est écrit épileptico-sic pour habito parce que là vous voyez qu'on faisait une trépanation parce que dans l'Antiquité on croyait que c'était un mauvais esprit et il fallait ouvrir la tête pour faire sortir du sang pour chasser le mauvais esprit alors ou le mauvais sort. Et dans les évangiles on trouve au moins trois passages donc, qui font allusion à l'épilepsie dans Marc, et dans Luc et dans Matthieu. Donc, où il est dit, il se jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient raide. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Donc, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et, ou dans l'eau. Donc, c'est. Et pour les Romains, et à cette époque-là, on croyait que l'épilepsie, c'était la maladie des grands hommes. Donc, comme ils ont vu
il y avait de grandes personnalités comme Alexandre le Grand, comme Jules César, donc, qui étaient épileptiques, et le pape Pie IX, pour ne citer que cela, vous avez un tableau, donc les grandes figures, Napoléon Bonaparte, etc. Eh bien, à cette époque, les gens croyaient qu'il n'était pas donné à tout le monde d'être épileptique, et les gens du bas peuple attendaient à leur tour qu'ils soient épileptiques, parce que pour eux, c'était la maladie des grands hommes. Et Hippocrate avait fait une approche très rationnelle quand il a dit que l'épilepsie n'est pas une maladie plus sacrée que les autres, elle a une cause naturelle et sa nature prétendument divine n'est due qu'à l'ignorance des hommes. En 1503, le terme épilepsie apparaît pour la première fois dans la littérature médicale française. Donc à l'époque romaine, c'était une maladie qui faisait objet de crainte et de rejet. Au Moyen Âge, on attribuait à une possession démoniaque. À partir de 1770, donc, les premières approches scientifiques de l'épilepsie sont apparues avec l'ouvrage Traité d'épilepsie de Tissot. En 1815, Esquirol distingue les attaques légères et les attaques sévères et on commence à parler de grand mal et de petit mal. En 1886, Horsley pratique la première intervention curatrice chez un patient présentant des crises partielles. Et Jackson, entre 1825 et 1811, allait donner une définition très classique donc, pour les crises, donc la survenue épisodique d'une décharge brusque, excessive et rapide d'une population plus ou moins étendue des neurones qui constitue la substance grise de l'encéphale. Et au XXe siècle, en 1912, Hoffman donc, a pu démontrer donc, l'action donc, anticonvulsive du phénobarbital. Et en 1920, Hans Berger, qui est un juif, un Allemand en fait d'origine juive, donc il a pu et placer sur des cerveaux de gens humains qui étaient encore vivants, donc des électrodes, et il a pu remarquer à chaque endroit qu'il plaçait les électrodes, le cerveau donnait des zones différentes. Donc c'est ainsi qu'il a découvert l'électroencéphalographie, mais malheureusement, donc, avec la venue d'Hitler, donc, il s'est suicidé pour ne pas être tombé aux mains des nazis. Et en 1938, Merritt et Putman donc, ont démontré l'action de l'antiépileptique de la phénytoïne. Donc là, je vous montre Hans Berger avec les différentes ondes que l'on enregistre dans l'électroencéphalographie. Au bas de la page, donc, vous voyez les ondes delta qui ont une fréquence qui varie de 0,5 à 4 Hz, les ondes θ avec une fréquence allant de 4 à 8 Hz, les ondes alpha qui prédominent sur la région occipitale avec une fréquence allant de 8 à 13 Hz, ce sont des ondes en dents de scie, et sur la région frontale le plus souvent, donc on a des ondes très rapides, donc c'est les ondes bêta allant de 13 à 30 Hz. Ce qui fait que quand on enregistre dans ces zones, il y a ce qu'on appelle le gradient antéro-postérieur. C'est-à-dire sur la partie frontale, c'est plus rapide, mais avec une fréquence, un voltage beaucoup plus bas. Sur la partie centrale, donc c'est une fréquence et un voltage en moyen. Et sur la partie tout à fait en postérieur, donc on va retrouver donc, le rythme alpha qui est très caractéristique au-delà donc, d'un certain âge. Et à partir de 1938, Penfield et Jaspers donc, fondent la chirurgie de l'épilepsie et réalisent les premiers cas anatomo-fonctionnels du cerveau et ont commencé à avoir donc, à utiliser l'homonculus de Penfield et on commence à établir la relation à partir des travaux de Penfield et Jaspers sur donc, la représentation de tout le corps sur le gyrus précentral et le gyrus postcentral. Et en France, Banco et Talleyrand mettent au point la stéréoencéphalographie pour pouvoir enregistrer donc, les ondes provenant des noyaux donc, dans l'encéphale. Donc le mot épilepsie même en soi donc, vient du grec epilambdainai qui signifie attaquer par surprise. C'est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. L'épilepsie autrefois était définie comme un trouble intermittent du système nerveux dû à une décharge excessive de manière désordonnée du tissu nerveux cérébral sur les muscles. C'était le postulat du neurologue britannique Rowling Jackson à partir de 1870 et ce que l'électrophysiologie allait confirmer.
Et les convulsions en soi se réfèrent à un paroxysme intense des contractions musculaires, répétitives, paroxystiques et involontaires, inappropriées pour un trouble qui peut consister uniquement en une altération de la sensation avec perte de la conscience. Et le concept de crise est donc préférable en tant que terme générique car la crise en soi englobe une diversité d'événements paroxystiques et aussi parce qu'elle se prête à une qualification contrairement au terme de convulsion. Donc, et les crises épileptiques, ce sont les manifestations cliniques d'une activité anormale des neurones dans le cerveau de manière excessive ou hypersynchrone. Le caractère hypersynchrone, donc cela veut dire que la population de neurones qui commence à avoir donc cette décharge, donc augmentant en recrutant des neurones de voisinage leur voltage et finalement après cette décharge, il y a une hyperpolarisation, ce qui fait que cette décharge est une décharge auto-limitée. Ça se déclenche de par donc elle-même et s'arrête de par elle-même. Et les crises épileptiques reflètent des troubles impliquant non seulement le cortex cérébral, parce qu'avant, on croyait que quand il y avait les crises, c'était seulement le cortex cérébral qui était impliqué. Mais on a pu démontrer également qu'il y a des structures sous-corticales qui peuvent donner des décharges électriques qui vont dans les radiations thalamo-corticales générer aussi les crises au niveau de l'encéphale. Du point de vue sémiologique, à chaque fois que nous avons un événement qui survient pendant la crise, cet événement est qualifié de ictal ou bien critique. Et à chaque fois que nous avons un événement qui survient après la crise, donc il est qualifié de post-critique ou bien post-ictal. Et ce qui se passe chez le patient entre les crises, c'est la période intercritique ou bien interictal. Par exemple, les EEG que nous réalisons pour des patients qui viennent en consultation, qui n'ont pas de crise, ce sont des EEG donc intercritiques ou bien interictal. L'autre concept que je voulais clarifier, c'est l'épileptogénèse, le foyer épileptique et la région épileptogène. L'épileptogénèse fait référence au développement en fait d'une crise épileptique donc en soi, donc ou bien l'initiation donc de la crise. Le foyer épileptique donc, est défini du point de vue électrophysiologique comme la zone donc, où on a en quelque sorte ces décharges interictales épileptiformes. Et la région épileptogène, donc, c'est cette zone du cerveau qui est nécessaire et suffisante pour générer donc, les crises épileptiques. Et l'encéphalopathie épileptique, on va en parler, c'est quand il y a les conditions donc observées chez les nourrissons, les enfants, donc qui à cause des crises qui provoquent un retard de développement donc de l'encéphale et ces enfants présentent des dysfonctions cérébrales interictales progressives et avec perte de capacités précédemment acquises comme conséquences motrices, sensorielles, des troubles cognitifs donc comme conséquence de ces situations de laquelle on parle d'encéphalopathie épileptique. Et l'état de mal épileptique, par exemple, quand un patient présente les crises, donc qu'on appelle par exemple les crises tonico-cloniques, avec, qui commence d'abord avec une contraction de tous les muscles et ensuite la chute brutale. Et finalement, une fois le patient tombé, donc il y a des secousses musculaires donc, qui sont les cloniques et ensuite vient la phase de résolution. Eh bien, lorsque le patient présente des crises à répétition, et qu'une crise ne se termine pas et il y a un autre qui commence, ou bien une crise commence et cette crise dure de 10, 15, 20, 25, 30 minutes, à ce moment-là, le cerveau n'a pas le temps d'entrer donc, en hyperpolarisation. Donc, on dit qu'il y a état de mal épileptique et ces décharges peuvent descendre et affecter les structures qui sont à la base du cerveau et le pronostic vital peut être engagé. Donc, l'état de mal épileptique englobe 5%. Donc, ça peut donner une mortalité globale en fait de 5% chez l'adulte et 5 à 7,5% chez l'enfant. Alors, nous disons toujours aux patients, donc la seule urgence qu'il y a en épilepsie, c'est l'état de mal épileptique parce qu'il faut aller à l'hôpital le plus proche. Alors, je vais faire quelques rappels physiologiques avant d'entrer dans la classification des crises et la classification des épilepsies. Donc, nous avons ici donc, cette diapo qui représente
la partie donc, intracellulaire et l'extracellulaire avec la répartition inégale des ions donc, et des protéines de part et d'autre de la membrane. Ceci confère donc, à la membrane du neurone donc, la polarité. Et quand on mesure avec un voltmètre, on voit la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane, on donne moins 70 millivolts. Donc la valeur normale est de 70, mais comme il y a une prédominance de charge négative à l'intérieur, par convention, on met le signe moins devant. Et il y a plusieurs mécanismes qui assurent donc, le transport de ces ions de par la membrane, la diffusion facilitée et le transport actif. Et dans ce transport actif, nous avons un rôle important de la pompe à sodium et à potassium, parce que la pompe à sodium et à potassium, comme enzyme, ça consomme de l'énergie. Et une fois que ça consomme de l'énergie, donc ça va atteindre un changement de conformation. Et ce changement de conformation va lui permettre de capter sur ces trois sites actifs, donc trois ions sodium, pour l'expulser au dehors. Mais l'expulsion correspond plutôt à une diminution de l'énergie. Et ce changement de conformation avec la forme de basse énergie active les sites de liaison pour le potassium qui va à ce moment capter les deux potassiums donc pour les intérioriser à l'intérieur de la membrane. Donc cette pompe assure en quelque sorte donc la différence de répartition donc des charges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et ici vous avez le potentiel d'action avec en 1 donc le potentiel de membrane au repos. Donc il n'y a pas de stimulus. Une fois qu'un stimulus adéquat est appliqué, les canaux donc à sodium vont s'ouvrir. Donc, le flux de sodium qui prédomine à l'intérieur de la cellule donc, va pénétrer et on passe de moins 70 à plus 30 millivolts. Automatiquement, quand on s'approche de 30 millivolts, par feedback négatif, les canaux à sodium vont se fermer. Et une fois ces canaux à sodium vont se fermer, maintenant, ce voltage de plus 30 à plus 40 millivolts est suffisant pour déclencher l'ouverture des canaux à potassium. Et il faut dire qu'en 3, cette ouverture des canaux à potassium, c'est la repolarisation, mais qui se fait beaucoup plus lentement parce que les canaux à potassium prennent plus de temps pour se fermer. Et comme ces canaux prennent plus de temps pour se fermer, il va y avoir un moment où l'on a un surplus donc de sortie de potassium de l'intérieur vers l'extérieur qui nous donne une polarité encore beaucoup plus faible donc, que la polarité qu'on avait donc, à partir du potentiel de membrane au repos et ce qu'on appelle hyperpolarisation tardive. Donc, la phase 4, qui est l'hyperpolarisation tardive du potentiel d'action, joue un rôle très important donc, dans les mécanismes de survenue et d'arrêt de manière auto-limitée, en fait, des décharges dans l'épilepsie. Et l'influx nerveux qui va prendre distance à partir de ce potentiel d'action va arriver à la fin pour nous donner les synapses, pour atteindre les synapses. Et une fois que vous arrivez au niveau des synapses, qui sont les synapses chimiques, eh bien, vous allez avoir l'entrée de calcium qui va mobiliser les vésicules contenant les neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs vont sortir dans la fente synaptique pour aller se fixer sur les récepteurs postsynaptiques. Alors ici, nous avons deux neurotransmetteurs qui nous intéressent dans le cas de l'épilepsie. C'est le glutamate qui est un neurotransmetteur excitateur qui va faciliter l'ouverture des canaux à sodium. Et à ce moment précis, ça va nous donner une déflexion vers le haut. Donc, c'est potentiel postsynaptique excitateur. Et si c'est le GABA, ça va agir sur les canaux à chlore ou bien faire sortir le potassium, ça va nous donner une déflexion vers le bas. Donc, ces deux neurotransmetteurs doivent être en équilibre au niveau de l'encéphale. Parce que s'il y a un excès de glutamate, ça va favoriser donc il y a des dépolarisations. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de GABA non plus, donc le glutamate va prendre le dessus. Donc, il doit y avoir un équilibre entre les deux, parce qu'un déséquilibre entre les deux peut faciliter la décharge paroxystique. Et comme mécanisme qui va favoriser maintenant l'initiation des crises, vous avez les récepteurs AMPA, les récepteurs de calcium qui vont favoriser des décharges donc, au début. Et une fois que ces décharges sont terminées, nous allons avoir le GABA qui va favoriser cette descente de la courbe qui est une hyperpolarisation en rapport avec l'hyperpolarisation tardive qu'on a mentionné. Et si les synapses en fait, inhibitrices qui sont dans l'entourage de ces neurones sont dépassées par ces décharges, donc qu'on appelle les bursts, donc qui sont des décharges importantes, et bien à ce moment, donc, ce voltage-là va se propager donc, dans les neurones de voisinage et la crise va se propager.
Alors, ces crises-là sont classées. Donc, il y a eu plusieurs classifications bien avant, mais à partir de 1980, donc, on a la première classification donc, dans les crises partielles qui sont limitées à une partie donc, de l'encéphale et les crises partielles secondairement généralisées, les crises partielles complexes et les crises généralisées. Les crises généralisées, ce sont des crises qui d'emblée donc, recrutent pratiquement tout le cortex cérébral. Par exemple, les absences typiques, les absences atypiques, les myoclonies, les cloniques et les toniques. Et il y a des crises qu'on ne peut pas classer, donc, et parmi les partielles, et parmi les généralisées. Donc, ce sont les crises indéterminées. On ne peut pas dire si c'est partiel, on ne peut pas dire si c'est généralisé. Mais récemment, cette définition, ou bien cette classification, a été remise en question à partir de 2017 et 2020 par la Ligue internationale donc, contre l'épilepsie. Donc, qui voulait donner une nouvelle classification qui facilite une certaine donc, opérationnalité du point de vue clinique. Et ils ont considéré, donc, ce que je vous montre là en diapo, donc il faut d'abord dans la classification voir type de crise. Est-ce que le début est focal? Est-ce que le début est généralisé ou bien début inconnu? Deuxièmement, type d'épilepsie. Est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie focale, généralisée? Focal et généralisé combiné ou bien non déterminé, et puis ensuite voir les syndromes épileptiques avec les comorbidités. Et ils ont donc en fait détaillé donc les étiologies aussi qu'il faut rattacher à ces crises. Et ils ont regroupé les étiologies qui peuvent être génétiques, structurelles, métaboliques, immunitaires, infectieuses, inconnues ou bien non précisées. Alors pour les étiologies non précisées selon la ILAE, c'est que la cause ne peut être déterminée sur les données à notre disposition dans le dossier de la personne. Donc, ce sont ces crises-là qu'ils appellent donc, les crises à étiologie non déterminées. Alors, pour les crises généralisées, qui impliquent donc, des réseaux neuronaux bilatéraux, donc, nous avons les crises tonico-cloniques, nous avons les crises toniques, les crises atoniques, donc, nous avons les absences typiques, les absences atypiques et absences avec symptômes particuliers. Donc, qui peuvent être absences myoclonique ou bien myoclonie palpébrale, donc qui sont quand même des crises généralisées. Et pour les focales, donc, ça implique des réseaux limités à un seul hémisphère, caractérisés par un ou plusieurs symptômes avec des auras. Les auras, ce sont en fait des signes prémonitoires. Donc, la personne peut avoir des auras visuel, auditif et somatosensoriel, donc qui précède en quelque sorte la survenue de la crise. Ça dépend du lobe qui est impliqué. En fonction du lobe qui est impliqué, les auras peuvent être très variées et très souvent, les auras font que les patients pensent qu'il s'agit d'un mauvais esprit. Okay? Et ensuite, les inconnus, donc on a des données insuffisantes pour classer les crises comme focales ou généralisées, par exemple les spasmes, et épileptiques et les autres. Ensuite, mais avant la dernière classification de la ILAE, on avait l'habitude de classer les épilepsies en idiopathiques, épilepsies symptomatiques, épilepsies cryptogéniques. Les idiopathiques, c'est les épilepsies d'origine présumée génétique, okay, mais avec un MRI cérébral normal. Et les épilepsies symptomatiques, il s'agit d'épilepsies d'origine acquise ou génétique, avéré associé à des anomalies anatomiques ou pathologiques macroscopiques. Et les épilepsies cryptogéniques, c'est des épilepsies de nature symptomatique présumée, mais dont la cause n'a pas été identifiée ou bien visualisée avec les moyens diagnostiques actuels. Et à partir de là il a redéfini en quelque sorte l'épilepsie, le concept d'épilepsie et le concept de crise. Donc, une crise épileptique est la présence transitoire de signes et ou symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone anormale dans le cerveau. Tandis que l'épilepsie en soi est un trouble cérébral caractérisé par une prédisposition durable à générer des crises épileptiques et par les conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales de cette affection. Donc, la définition de l'épilepsie requiert la survenue d'au moins une crise épileptique. Donc, quelqu'un qui fait une crise épileptique, et surtout si cette crise
s'accompagne de morsures de langue, on peut déjà poser le diagnostic à partir de cette définition de la ILAE. Et il y a également une deuxième définition apportée par la ILAE, c'est la définition clinique opérationnelle de l'épilepsie. Donc, ils disent que l'épilepsie est une maladie cérébrale définie par l'une quelconque des trois manifestations suivantes. Au moins deux crises non provoquées ou réflexes espacées de plus de 24 heures, une crise non provoquée ou réflexe avec une probabilité de survenue de crise ultérieure au cours des 10 années suivantes, similaire au risque général de récurrence dans la population générale. Et troisièmement, diagnostic d'un syndrome épileptique. Donc, l'une de ces trois conditions donc, permet de poser le diagnostic donc, d'épilepsie. Et ils ont mis à jour que l'épilepsie est considérée comme étant résolue pour ce qu'on parlait avant donc, de patients libres de crise. Donc, l'épilepsie est considérée comme étant résolue chez les patients qui présentaient un syndrome épileptique âge dépendant. Le docteur Honoré va parler de ça, donc les différents types d'épilepsie que l'on rencontre selon l'âge. Eh bien, si le patient présentait un syndrome épileptique âge dépendant et ces patients-là ont dépassé l'âge, eh bien, on considère que ces patients ont des épilepsies considérées comme étant résolues. Donc, et chez ceux qui n'ont pas eu de crise au cours de 10 dernières années sans avoir pris d'antiépileptique depuis au moins 5 ans. Donc, l'une donc, de ces deux catégories est considérée donc, comme épilepsie résolue. Ça, c'est un tableau qui résume donc, les épilepsies selon les âges. Le docteur Honoré va parler de ça. Donc, les principales crises hein, selon les âges. Donc, sur ce graphique, vous allez voir entre 0 et 14 ans, les crises qui sont les plus fréquentes, c'est les crises partielles complexes. Ensuite, les crises tonico-cloniques généralisées. Et en troisième catégorie, c'est les myocloniques. Entre 15 et 34 ans, donc, il y a toujours les complexes partiels qui prédominent. En deuxième lieu, donc, ce sont les crises généralisées tonico-cloniques. Et en troisième catégorie, ce sont les crises partielles simples. Tandis qu'entre 36 et 64 ans, toujours c'est les crises partielles complexes, suivies des crises partielles et simple et dans la généralisée tonico-clonique et en troisième catégorie les partiels simples. Et au-delà de 65 ans, donc toujours les crises partielles complexes qui prédominent suivies des crises tonico-cloniques généralisées. Alors si vous regardez cette image là, c'est que les crises les plus fréquemment rencontrées, ce sont les crises partielles complexes et les crises généralisées tonico-cloniques. Maintenant, en fonction de l'âge, donc ce tableau présente les causes en fonction de l'âge. Donc, les principales causes entre 0 et 14 ans, donc c'est congénital. Entre 15 ans et 34 ans, donc la principale cause, c'est trauma. Entre 36 et 64 ans, donc les trois causes principales, c'est les causes cérébrovasculaires, donc éventuelles tumeurs cérébrales, et un trauma crânien. Et au-delà de 65 ans, donc, principale cause de syndrome épileptique, c'est des causes d'origine cérébrovasculaire et ensuite, donc, tumeur ou bien et dégénérescence. Et l'avant-dernière chose dont je voulais vous parler, c'est comment est-ce que le cerveau arrive à générer l'activité électrique donc, qui constitue la base de l'électroencéphalographie. Donc, ce que vous voyez là, c'est un neurone pyramidal que l'on rencontre dans la cinquième couche et la troisième couche du cortex cérébral. Les dendrites sont orientées vers le haut, vers donc, la superficie. Et attends, il y a pratiquement les synapses qui arrivent au contact de ces dendrites, donc qui apportent un courant. Et ce courant-là va descendre donc, dans les dendrites vers le corps et ça crée une sorte de dipôle et le circuit est pratiquement fermé et les afférences thalamocorticales venant du côté opposé vont apporter en fait donc, un courant qui va donner une déviation opposée. De telle sorte qu'on a des oscillations vers le haut et des oscillations vers le bas à partir donc, de la modulation donc, thalamocorticale vers le cortex cérébral particulièrement, donc la couche 3 et la couche 5 où on a les neurones qu'on appelle les cellules pyramidales de Betz, et ce qui permet de donner ces oscillations que vous avez à côté
qui représente en fait l'électroencéphalographie. Ici, je vous présente un électroencéphalogramme enregistré à l'IDEP. Ce que vous voyez qui sont en dents de scie, ce sont les zones alpha, donc qui sont les zones qui prédominent sur la région pariétale et occipitale. Et en F, ce sont donc les zones au niveau frontal qui sont très plats et très rapides, donc qui sont les zones bêta. Et ensuite, pour l'électroencéphalographie, très souvent on a tendance à croire que c'est seulement dans les cas d'épilepsie qu'on indique l'électroencéphalographie. On peut indiquer l'électroencéphalographie pour faire le bilan d'une crise, parce que l'épilepsie, le diagnostic en soi est d'abord clinique. Deuxièmement, le type de syndrome épileptique et la surveillance du traitement, donc c'est l'électroencéphalographie qui nous permet de le faire. En cas de coma ou bien en cas de confusion, donc on peut utiliser l'électroencéphalographie. Après un accident cérébrovasculaire, donc on peut l'utiliser, parce que quand nous avons un patient avec un ACV, nous demandons par exemple un scanner ou bien un MRI, mais la MRI ou bien le scanner a une résolution en mégapixels, c'est une résolution spatiale, tandis que l'électroencéphalographie a une résolution temporelle. À la milliseconde, ça nous permet de voir que les neurones sont en souffrance. On peut l'utiliser également pour investiguer la qualité de sommeil, diagnostiquer une maladie du sommeil, pour confirmer la mort cérébrale. Dans le cas qu'il s'agit de confirmation de mort cérébrale aux urgences, donc on met moins d'électrodes. Parce que l'électroencéphalographie standard, nous le faisons avec 19 électrodes. Donc, dans ce cas, on peut mettre 4 à 6 électrodes, donc très espacées. Donc, s'il se passe environ 30 à 60 minutes, on n'enregistre aucune activité. Donc, le technicien ou bien le spécialiste est habilité à déclarer que le patient a une mort cérébrale. Et on l'utilise aussi pour diagnostiquer donc une encéphalite, par exemple. Et les patients qui sont nés dans des hôpitaux où ces enfants-là ont des troubles durant la naissance, il y a des pays où ils suivent ces enfants jusqu'à l'âge préscolaire. On l'utilise aussi pour voir le neurodéveloppement donc, de l'enfant. Et pour le diagnostic de l'épilepsie, on avait dit tantôt, c'est d'abord clinique. Donc, on va en fait renforcer avec l'électroencéphalographie qui va nous permettre de voir quel type de crise, s'il s'agit de focale, s'il s'agit de partielle, etc. Et cette diapo nous permet de voir, par exemple, en fonction donc, de la zone donc, où la crise est déclenchée, le patient va avoir donc, des symptômes bien déterminés, surtout sur les crises focales. Et il y a un scénario ici pour voir quel schéma. Donc, si au début, donc, on a un patient, le patient a un antécédent avec épilepsie, ou bien le patient n'a pas un antécédent avec épilepsie, quelle est la conduite à tenir? Et finalement, pour aboutir, est-ce qu'il s'agit donc, d'épilepsie idiopathique ou bien est-ce qu'il s'agit donc, réellement donc, de syndrome donc, épileptique? Donc, à considérer en fonction du fait que l'on fait les examens donc général, donc métabolique, hémogramme, donc bilan et pancréas, etc. et tout ça. Si on trouve quelque chose, donc on traite. Maintenant, si on ne trouve pas, donc on va aller à l'imagerie, donc pour voir si on trouve quelque chose donc de structurel qui pourrait expliquer donc la survenue donc des crises. Donc, si on trouve quelque chose, donc on traite. Et si maintenant à l'électroencéphalographie, on trouve des altérations épileptiformes, donc on considère donc, s'il y a eu donc, des altérations à l'électro et à l'imagerie, donc est-ce qu'il y a eu des masses, est-ce qu'il y a eu stroke ou bien une infection quelconque du système nerveux central ou bien une maladie dégénérative. Et on traite le désordre de base et à ce moment, on considère que le traitement anti-épileptique peut être ajouté. Mais s'il n'y a rien, on considère qu'il s'agit d'épilepsie idiopathique et on adopte le traitement également. Donc, et pour le diagnostic différentiel, ça c'est le tableau, je ne vais pas vous citer donc, tout. Donc, syncope, des désordres psychologiques, les troubles métaboliques, migraines, les accidents ischémiques transitoires, les troubles du sommeil, donc les troubles de mouvement donc, qui sont parfois mésinterprétés comme épileptiques. Et également donc, les vertiges paroxystiques bénis. Ici, à l'image, vous voyez un patient où chaque ligne représente en fait un canal qui est placé sur le crâne. Et bien là où vous voyez ces pics-là, donc c'est quelqu'un qui a eu ces pics dans toutes
dans tous les canaux. Donc, ça, c'est une crise épileptique généralisée. Donc, ici, alors en bleu, c'est l'hémisphère cérébral gauche et en droite, c'est l'hémisphère cérébral droit. Là, vous voyez F, et c'est frontal, donc, et C, c'est pariétal. Donc, c'est un patient avec une crise épileptique focalisée, donc qui est surtout donc, frontal et qui a tendance à se propager à l'hémisphère cérébral gauche. Ici, c'est l'électroencéphalographie d'un patient avec une épilepsie très classique. Rien qu'on voit l'électro, on est à même de confirmer le diagnostic. C'est entre chaque barre verticale, donc c'est une seconde. Et entre chaque barre maintenant, on a donc cette partie pointue qui est la pointe et suivie de l'onde. On a ce qu'on appelle les pointes ondes de 3 cycles par seconde. C'est classique de l'épilepsie qu'on appelle les absences. Là encore, c'est les absences, donc très généralisées, c'est tout le cerveau, donc, etc. Alors, et je termine pour mettre l'accent donc, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour un patient épileptique. Donc, ce qu'il ne faut pas faire face à un patient donc, qui est atteint d'une crise épileptique, il ne faut pas transporter le patient donc, pendant la crise, sauf s'il y a un danger donc, imminent qui nécessite le transport. Il ne faut pas entraver les mouvements, il ne faut pas essayer de limiter les mouvements du patient, il ne faut pas essayer d'asseoir le patient, il ne faut pas mettre rien dans la bouche du patient et surtout vos doigts. Donc, ne donnez rien à boire, donc n'intervenez pas sans nécessité, il faut attendre que la crise cesse pour intervenir. Et ce qu'il faut faire, il faut débarrasser l'espace qui est autour du patient. Donc, il faut noter l'heure du début de la crise. Ça va nous permettre de voir s'il s'agit d'un état de mal épileptique ou pas. Et ensuite, il faut protéger la tête. On peut placer un coussin ou bien un vêtement replié sur la tête pour éviter les traumatismes. Il faut desserrer les vêtements si le patient porte une cravate, etc. Donc, ensuite, enlever les lunettes si la personne en porte pour protéger les yeux des traumatismes possibles. Et dès que possible, une fois que la personne ne fait plus de mouvement, donc, c'est la phase résolutive. Eh bien, on va placer le patient en position latérale de sécurité. Donc, il va favoriser que les écumes et du sang qui était éventuellement dans la bouche puissent sortir normalement pour éviter le syndrome d'aspiration. Alors, moi, comme défi, j'estime qu'en Haïti, il y a plusieurs éléments importants qui limitent en fait, ce que la médecine peut offrir, ou bien pourrait offrir, la médecine haïtienne peut offrir, ou bien pourrait offrir aux patients épileptiques. La première chose, c'est qu'il y a une croyance très forte en Haïti, même des gens qui sont passés à l'université pour la plupart, que c'est une maladie contagieuse. Une fois que la personne tombe en crise, eh bien, tout le monde s'en éloigne, donc on ne veut pas venir en aide. La croyance que c'est un mauvais esprit, c'est un mauvais sort, fait qu'il y a une très bonne partie de la population, donc des patients épileptiques qui vont à l'église à la recherche d'un miracle et qui passent la nuit donc dans des jeûnes, dans des séances de jeûne et donc à la recherche de miracles alors que l'épileptique ne doit pas passer des nuits sans sommeil. Donc ça favorise la survenue des crises. Donc les épileptiques dépensent presque 10 à 20 fois plus chez les médecins traditionnels que chez un médecin donc, pratiquement diplômé qui pourrait l'aider. Donc, il y a la stigmatisation surtout à l'école. Parce que dernièrement, j'ai reçu une jeune fille qui est en seconde. Elle a eu la crise. Le directeur d'école est venu pendant qu'elle faisait la crise et donc ne pouvait pas la toucher, mais elle donnait des coups avec la pointe de ses chaussures parce que personne ne voulait donc, venir donc, à son aide. Acceptation du diagnostic, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas vraiment de psychologue clinicien qui encadre donc, les familles, qui encadre les patients pour l'acceptation du diagnostic. Les enfants avec épilepsie et retard mental, c'est un lourd fardeau pour les familles parce que ces enfants-là qui sont nés avec convulsions néonatales et qui viennent très tard en consultation, donc ce sont des enfants qui ne vont pas progresser à l'école, qui ont des retards psychomoteurs, etc., et les parents vont voir tous les médecins pensant qu'il y a un médecin qui peut faire un miracle et il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'association. Changement non conventionnel des traitements. Il y a des types de traitements qui marchent avec telle ou telle catégorie de crise. Or, nous initions le traitement,
Maintenant, le traitement marche très bien, le patient n'a plus de crise ou bien le nombre de crises diminue. Maintenant, dans 2 mois ou dans 3 mois, ce médicament n'est plus disponible sur le marché, on doit changer. Or, on ne change pas les médicaments comme ça. Donc, la maladie n'est pas considérée comme un problème de santé publique. C'est un problème très grave en Haïti parce que même dans les registres, donc, on ne considère pas donc, ça comme un problème de santé publique. Or, c'est important, donc la maladie. La prise en charge au niveau des départements. Donc, au niveau des départements, il n'y a pas de laboratoire pour réaliser les électroencéphalogrammes. Il y a une carence en spécialistes pour la prise en charge et il faut également mettre l'accent sur la formation. Il faut également l'éducation du personnel soignant et les patients aussi, c'est un problème. Par exemple, quand j'étais à La Havane, le patient épileptique, quand il vient, il vous donne le cahier de suivi parce que la famille note tout ce qui se passe, le nombre de crises, la date, etc. Vous regardez, vous voyez le suivi. Et en Haïti, les patients ne sont pas totalement éduqués sur le suivi qui doit être fait à la maison. Donc, et le personnel soignant également donc, doit être beaucoup plus éduqué en ce sens donc, pour éduquer les patients sur le suivi et les membres de la famille. Le traitement chirurgical de l'épilepsie que nous n'avons pas encore en Haïti. Donc, ça, c'est un défi. Et c'est un défi à plusieurs égards parce que ça nécessite une précision très avancée dans l'électroencéphalographie. Ça nécessite donc, l'imagerie avec MRI de 2.5 à 3.5 Tesla. Et nous savons que chaque Tesla, c'est $1 million. Ça suppose un appareil de 2.5 millions à 3.5 millions de dollars en termes d'imagerie. Et pour finir, c'est l'accessibilité aux soins. Donc, en termes d'accessibilité géographique et accessibilité financière. Parce que donc, les meilleures molécules qui sont sur le marché, ces molécules coûtent cher. Donc, les patients n'ont pas accès et il y a des boîtes, c'est peut-être 1400, 1500, 1600 dollars. Donc, c'est très difficile pour les patients d'avoir donc, accès donc, aux médicaments. Donc, je pense que ça, c'est des défis. Et comme perspective, la CLIDEP aimerait bien, dans les années à venir, si les conditions le permettent, donc, comme on avait déjà commencé à aller faire les électros à Saint-Marc, à Jacmel et à Mirebalais, on avait déjà et commencer à faire les électros, si on pouvait dans chaque département former quelqu'un qui a un appareil, qui peut faire les électros, docteur Honoré peut aller superviser, on peut nous envoyer pour interpréter, je peux moi-même aller pour interpréter, on peut envoyer un technicien, donc ça permettrait donc, quand même donc, d'aider. Merci de votre attention. Merci. Merci, docteur Barthélemy. Et nous allons tout de suite donner la parole à Dr Honoré après en remerciant Dr Barthélemy d'avoir un petit peu précisé ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est important, les tabous et tout ça. Et je voudrais signaler quand même à nos participants et de penser à poser la question sur le chat d'une part et aussi nous devons vraiment maintenant gérer notre temps parce que l'heure passe vite et nous allons avoir l'intervention du docteur Honoré. Ensuite, nous aurons encore 2 petites interventions, c'est-à-dire docteur Rochelin va partager avec nous les réflexions du docteur Ernst Barthélemy sur la place de la chirurgie et dans l'épilepsie en Haïti. Et enfin, nous accueillons aussi dans notre groupe le docteur Wilnick Pierre, qui est avec nous et qui représente la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche de MSPP, qui aura peut-être une toute petite intervention avec quelques slides et ensuite on pourra passer aux questions. Donc merci docteur Honoré, donc je vous cède le micro. Et bonsoir tout le monde, je suis docteur Honoré Claudile, je suis pédiatre. Et j'ai eu une formation en épilepsie et en maladie neurologique de l'enfant. Et je suis médecin de service en pédiatrie et je travaille à CLIDEP également et je conduis la clinique de neuro de l'HEH les jeudis après-midi. Et je vais parler des principaux syndromes épileptiques. Parmi ces principaux syndromes épileptiques, comme Dr Barthélemy a déjà décrit les grands groupes d'épilepsie, épilepsie généralisée, partielle et épilepsie idiopathique et autres, je vais parler des épilepsies néonatales parmi les principaux syndromes épileptiques.
habituellement en période néonatale, et les crises peuvent survenir et très tôt. Ou les crises qui apparaissent dans les deux premières heures de vie, et ça, surtout en rapport avec les anomalies du développement cérébral, qu'on peut visualiser à l'imagerie, les cas d'hypoglycémie, les injections médicamenteuses ou prise de toxines chez la mère, les crises pyridoxines dépendantes, généralement c'est une pathologie à transmission autosomique récessive. Très souvent, ces patients-là ont des problèmes avec en pyridoxine. On sait que la pyridoxine, on va avoir dans le traitement, c'est l'un des médicaments, des fois en cas d'épilepsie réfractaire, qu'on donne pour permettre de stabiliser l'épilepsie. Il y a également les crises qui surviennent entre 6 et 24 heures de vie. Là, on parle surtout en cas d'encéphalopathie hypoxique ischémique. Les hypoglycémies, les hypocalcémies, les hyponatrémies, hémorragies intracrâniennes, et surtout les hémorragies méningées, et puis les méningites et anomalies du développement cérébral. On a également les erreurs innées et du métabolisme qu'on compte parmi les crises qui apparaissent entre 6 et 24 heures de vie. Et on peut avoir les crises tardives en période néonatale entre 2 et 7 jours de vie. Là, on note l'hémorragie intracrânienne, la méningite, les convulsions de cinquième jour. Habituellement, on n'entend pas convulsions de cinquième jour. C'est un enfant qui évolue très bien et à partir de cinquième jour de vie, l'enfant présente un véritable mal épileptique et électroclinique. Et habituellement, ces enfants-là, après l'évolution de ce problème-là, sous traitement et autres, et l'enfant ne présente pas de séquelles à long terme et c'est quelque chose qui est passager. Il y a également les malformations cérébrales, les maladies métaboliques, encéphalopathie myoclonique du nouveau-né. Il y a également le syndrome d'Ohtahara, qui est une encéphalopathie avec épilepsie grave et retard mental sévère. Ensuite, on a les épilepsies de la première et deuxième enfance. Là, on a les syndromes d'évolution grave, comme le syndrome de West ou spasme infantile. Dans le syndrome de West, ça survient le plus souvent chez les enfants à partir de 3 mois, des fois 4 mois. Et ces enfants-là présentent souvent des spasmes. On a une triade classique dans le spasme infantile. Le spasme en salve, les mouvements de flexion ou bien d'extension des 4 membres ou bien des 2 membres supérieurs ou bien membres inférieurs. On a également un retard de développement psychomoteur et à l'EEG, on a une image classique, c'est un tracé désorganisé où on perd le rythme de fond. Et ce sont des anomalies avec des pointes multiples, amples, de grande amplitude. Généralement, 50% de ces enfants ont une lésion cérébrale associée. Et on a pu constater que 40% de ces enfants-là ont une pathologie associée. C'est l'une des phacomatoses qui est sclérose tubéreuse de Bonneville qu'on va parler plus tard. Et 10% sont cryptogéniques. On ne trouve pas de cause de ces enfants avec le spasme infantile. Il y a autre syndrome qu'on peut trouver dans la première ou deuxième enfance, c'est le syndrome de Lennox-Gastaut, qui survient un petit peu beaucoup plus tardivement, entre 2 et 5 ans. Souvent, on a des étiologies proches avec le spasme infantile et ces crises-là sont caractérisées par des crises toniques, atoniques, des absences atypiques le plus souvent et on a également les myoclonies avec un retard mental sévère, d'évolution grave. Et habituellement, ces enfants-là, souvent, on a ou bien un enfant qui avait un spasme, des fois qui évolue vers Lennox-Gastaut. Des fois, on dit que c'est la forme la plus grave de spasme infantile. Ensuite, on a les épilepsies myocloniques, en dehors du syndrome de Lennox-Gastaut, qui regroupent les formes hétérogènes d'épilepsie difficiles à traiter. Évidemment, on va parler des épilepsies d'évolution habituelle. Le plus souvent, c'est le grand mal, et où on a des convulsions tonico-cloniques généralisées, souvent avec morsure de la langue, relâchement sphinctérien et révulsion oculaire avec perte de connaissance.
et on peut avoir le petit mal, où on a des épisodes de perte de connaissance, de coupure. C'est comme un court-circuit qui se fait au niveau du cerveau. L'enfant perd contact avec son monde extérieur, avec un regard dans le vide. Ça peut durer 8, 10 et parfois rarement 20 secondes. Habituellement, ça survient chez les enfants entre 5 et 10 ans et rarement avant. Et caractérisé, comme Dr. Barthélemy avait démontré, un électroencéphalogramme classique de l'absence, avec des bouffées généralisées de pointe onde, 3 cycles, et qui est souvent bénie, avec disparition dans 60 à 70% des cas dès le début du traitement. Traitement bien conduit, bien entendu, avec acide valproïque qu'on verra par la suite. Et le syndrome de Landau et les épilepsies cognitives. Là, ça regroupe des crises motrices qui altèrent de façon permanente certaines fonctions intellectuelles. Donc, dans le syndrome de Landau, il est caractérisé par une perte du langage avec souvent préservation des autres capacités intellectuelles de l'enfant. Il y a également les pointes ondes continues du sommeil. Là, on les appelle les POX. C'est un syndrome rare chez l'enfant avec détérioration neuropsychologique. Très souvent, ces enfants-là présentent les crises uniquement pendant la nuit. Et si vous réalisez un électroencéphalogramme pendant l'éveil, des fois, c'est quasi normal. Et c'est lorsque l'enfant tombe, l'enfant est endormi et on va avoir l'apparition de ces pointes ondes continues, qu'on appelle pointe onde continue du sommeil. D'où l'importance lorsque les médecins demandent les EEG, des fois, on peut toujours poser des questions. Quand est-ce que surviennent les crises? Est-ce que c'est pendant la nuit ou bien pendant la journée? C'est important pour nous autres qui réalisons, les EEG, juste pour voir si on peut réaliser un EEG éveil ou sommeil, ou bien les deux à la fois, ou bien couplé. Il y a également les syndromes épileptiques de la préadolescence et de l'adolescence. Là, on note l'épilepsie bénigne à paroxysme rolandique qui survient dans l'ère de Rolando. Et on l'appelle l'épilepsie centrotemporale, et de forme très fréquente en période adolescente, de l'adolescence, survenant préférentiellement pendant le sommeil. Et très souvent, les parents notent chez ces enfants-là qui présentent l'épilepsie rolandique? Souvent, on vous dit que lorsqu'on regarde les oreillers de ces enfants-là, il y a un émoussement. Très souvent, c'est mouillé à cause des baves qu'on a. Et ça arrive. Ensuite, il y a l'épilepsie à pointe occipitale. Très souvent, on a deux grands groupes de ces épilepsies à pointe occipitale. C'est le syndrome de Panayotopoulos, qui est une épilepsie survenant surtout chez les enfants de moins de 2 ans, le plus souvent. Et l'épilepsie... Oui, bonsoir tout le monde. Je lis pour vous le message du docteur Ernest Barthélemy. Bonsoir, chers collègues et amis. Malheureusement, un changement imprévu de mon horaire chirurgical m'empêchera de participer au forum médico-chirurgical ce soir. Toutefois, je tiens à partager avec vous quelques réflexions sur le thème « L'épilepsie en Haïti, quelle est la place de la chirurgie ?» Comme vous avez sûrement déjà entendu, le bilan diagnostique de chaque patient suspecté d'épilepsie nécessite une étude électroencéphalographique à long terme. De plus, les médicaments antiépileptiques sont le pilier du traitement de ces troubles, à la fois en Haïti et aux États-Unis et dans le monde. Le rôle de la chirurgie dans le traitement de l'épilepsie est essentiel. Un certain pourcentage de patients sous traitement ne parviendra pas à contrôler leur maladie avec des médicaments seuls. Lorsqu'un syndrome épileptique s'avère insuffisamment contrôlé malgré un traitement avec deux ou plusieurs médicaments anticonvulsivants, le terme épilepsie pharmacorésistante est utilisé. C'est principalement dans ces cas que l'option de la chirurgie est envisagée. Fait intéressant, bien qu'il existe de nombreuses façons possibles de traiter l'épilepsie chirurgicalement, la chirurgie de l'épilepsie reste le seul moyen possible connu de guérir un patient d'un trouble épileptique par opposition au simple contrôle du trouble. Et cela nécessitera une explication plus longue que j'espère avoir une autre occasion de fournir à l'avenir. Mais en termes simples,
Les quelques essais contrôlés, randomisés, qui ont examiné le rôle possible du traitement neurochirurgical de l'épilepsie ont révélé que 50 à 75% des patients qui sont candidats à la chirurgie de l'épilepsie peuvent être et seront guéris de leur épilepsie par des soins chirurgicaux appropriés. Il existe plusieurs défis majeurs auxquels a été confronté en termes de l'intégration éventuelle des soins chirurgicaux pour l'épilepsie. J'aborderai ici deux de ces défis. Tout d'abord, il y a un défi diagnostique. Un traitement chirurgical efficace nécessite une localisation précise du foyer épileptogène, c'est-à-dire de la région du cerveau qui est responsable du trouble épileptique. Afin d'identifier sans équivoque cette région, les patients nécessitent non seulement une étude électroencéphalographique approfondie, mais également un couplage de ces études à l'imagerie du cerveau, de préférence sous la forme d'une imagerie par résonance magnétique. Nous le savons bien, ces technologies sont limitées ou absentes dans le contexte haïtien, et dans les rares cas où l'accès existe, c'est pour quelques rares personnes ayant les moyens financiers de s'offrir cet accès. Autant que je sache, les soins actuels de l'épilepsie en Haïti ne couplent pas systématiquement les études EEG aux études IRM ou à d'autres imageries cérébrales. C'est un obstacle au bon diagnostic qui permettrait d'identifier avec succès les candidats à la chirurgie de l'épilepsie. Un deuxième défi majeur est l'absence d'un plan chirurgical national pour les soins chirurgicaux en tant que partie intégrante d'un plan national de soins de santé qui assure une couverture sanitaire universelle pour tous les Haïtiens. Le docteur Enis Devoy-Mérizier pourra peut-être parler de tel plan qu'un petit groupe auquel nous participons a appelé le PLANACO, Plan National Chirurgical Obstétrical et Anesthésie. L'élaboration et la mise en œuvre d'un PLANACO dans les affaires de santé haïtiennes faciliterait l'identification rapide des principaux obstacles à l'identification des patients atteints de maladies pouvant être traitées chirurgicalement telles que l'épilepsie, ainsi que l'identification des composants du système chirurgical du pays qui devraient être priorisés afin de fournir des soins chirurgicaux tels que la neurochirurgie pour l'épilepsie. Par exemple, il n'y a actuellement aucun programme de résidence en Haïti disponible pour la formation des neurochirurgiens. Avec une main-d'œuvre en neurochirurgie qui ne compte actuellement que 4 neurochirurgiens pour une population de 12 millions de personnes, des changements majeurs doivent être mis en œuvre dans l'enseignement et la formation en neurochirurgie, ainsi que dans l'éducation et la formation médicale pour constituer les équipes de soins capables de fournir des services chirurgicaux appropriés aux patients atteints d'épilepsie résistante aux médicaments. Il existe de nombreuses raisons impérieuses de lancer un plaidoyer à tous les niveaux de la santé pour faire ce travail. Entre autres raisons, il y a un argument économique important. On peut supposer que les coûts de la chirurgie de l'épilepsie sont déraisonnablement élevés sans une tentative pratique de rendre ces soins chirurgicaux largement disponibles. Cependant, même dans les pays dits à revenus élevés, il existe des données suggérant que l'impact économique de la chirurgie de l'épilepsie. Oui, Dolène, vas-y, merci, parce que j'ai l'impression que c'est un petit problème. Il existe de nombreuses raisons impérieuses de lancer un plaidoyer à tous les niveaux de la santé pour faire ce travail. Entre autres raisons, il y a un argument économique important. On peut supposer que les coûts de la chirurgie de l'épilepsie sont déraisonnablement élevés sans une tentative pratique de rendre ces soins chirurgicaux largement disponibles. Cependant, même dans les pays dits à revenus élevés, il existe des données suggérant que l'impact économique de la chirurgie de l'épilepsie à ceux qui en ont besoin est favorable à la société et au pays. Étant donné que la combinaison d'une économie en termes de médicaments antiépileptiques qui n'ont plus besoin d'être achetés et la productivité économique rétablie à vie de ces patients peut largement dépasser le coût des interventions, même les plus coûteuses pour l'épilepsie. Merci de m'avoir permis de contribuer à cette discussion très importante et merci aux amis et collègues qui ont partagé mes commentaires afin de rendre ma contribution possible. Je suis disponible pour discuter davantage de ce sujet par email à globalneurosurgeon@gmail.com. Je peux également être facilement contacté par les organisateurs de ce forum pour tout dialogue continu. Si je suis en mesure de terminer l'opération à une heure raisonnable, je tenterai de me joindre à la conférence ce soir avant qu'elle ne se termine. Merci beaucoup, sincèrement, Dr. Ernest J. Barthélémy. Merci, Darlene. Et Eunice, je ne sais pas si tu peux essayer de joindre Dr. Honoré parce qu'il n'est pas encore remonté. Ce que je propose, nous avons une autre intervention. Nous avons avec nous Dr. Wilnick Pierre. Et il nous représente la direction de l'épidémiologie du laboratoire de recherche
et il va nous présenter quelques chiffres. Donc, ça donnera un petit peu de temps encore à Dr Honoré de joindre. Donc, Dr Pierre, et vous avez la possibilité d'activer votre micro. Oui. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Et bienvenue. Merci, Dr Déjean. Donc, je vais présenter quelques slides sur l'épidémiologie de l'épilepsie en Haïti. Donc, j'ai bien apprécié les présentations du Dr Barthélémy et ce que Dr Honoré avait présenté. Donc, même si c'est quelques slides, et ce que le Dr Barthélémy depuis les États-Unis donc, voulait mentionner en ce qui a trait à la chirurgie de l'épilepsie en Haïti. Et bon, avant même de rentrer d'emblée dans la. Alors, peut-être mettre sur diaporama, pardon, peut-être mettre sur slideshow, ce sera plus grand. OK. Merci. C'est bon. Avant même de rentrer dans la présentation des slides sur l'épilepsie en Haïti, donc il faut vous dire que les phénomènes, comme d'habitude, doivent être sous surveillance. Et quand on parle de phénomènes, dans les temps, on parlait de phénomènes puisqu'on considérait les maladies comme des phénomènes qu'on ne pouvait pas trouver de traitement. Donc, c'est dans le temps antique. Maintenant, avec l'apparition, donc l'évolution de la médecine, et donc maintenant, on a dû transformer des phénomènes en maladies. Donc, et suivant le développement de la médecine avec les règlements sanitaires internationaux qui a vu le jour en 2005, qui fait obligation normalement à tous les pays membres de l'OMS d'avoir la capacité de prévenir, de détecter et de répondre de manière efficace aux problèmes de santé publique. Pour nous en Haïti, et avant 2010, bon, dans le temps et sur les Duvaliers, donc il n'y avait pas autant de maladies de surveillance. On avait seulement les maladies immunocontrôlables, donc les maladies à potentiel épidémique immunocontrôlables. Donc on les surveillait et dans le temps, bon, que vous avez vu bien que moi, avec l'hygiène, je crois, la direction d'hygiène publique et l'hygiène publique, j'étais avec cette direction-là, parce qu'il n'y avait pas encore la direction d'épidémiologie, c'était le service d'hygiène publique. Et maintenant, en 2010, donc, tout de suite après le tremblement de terre, on a intégré d'autres maladies, les maladies à potentiel épidémique et les maladies endémiques dans la liste des maladies sous surveillance. Et quelques années de cela, donc il y a 3 ans de cela, donc, on a intégré d'autres maladies qui sont les maladies chroniques. Les maladies chroniques comme l'hypertension, comme le diabète, le cancer et aussi l'épilepsie et sous surveillance. Et vous le savez déjà, la surveillance nous permet normalement d'avoir des informations et pour permettre d'estimer l'importance des phénomènes sanitaires pour la santé publique, de pouvoir déterminer la distribution géographique d'une maladie sur le territoire national et de pouvoir décrire les tendances dans le temps et même la saisonnalité d'une maladie. Donc, c'est pour ça qu'on collecte les informations et lorsqu'on détermine qu'il y a une ampleur considérable et ça peut affecter le bien-être de la population, ça peut affecter même l'économie. Donc, on doit normalement trouver une solution. Et c'est pour ça, en quelques mots, on dit que le but principal de la surveillance, c'est l'information pour l'action. Obtenir des informations et prendre des décisions pour améliorer la santé de la population et aussi le bien-être de la population. Maintenant, venons-en maintenant à la présentation et des données. Donc, puisque depuis 3 ans, on a mis, et la direction d'épidémiologie a mis l'épilepsie sous surveillance, et pour pouvoir collecter normalement, les informations, il faut que tout le monde parle le même langage. Et nous avons dans notre site de surveillance plus de 690, environ 700 sites sous surveillance. Même si dans le système national de santé, il existe plus de 1200 institutions sanitaires dans le pays, mais ce n'est pas toutes les institutions qui sont sous surveillance, il existe seulement 700 institutions sous surveillance. Il nous reste quelques 500 institutions qui ne sont pas des institutions vraiment très prisées en termes de... Parce que pour qu'un centre soit un centre sentinelle, il faut que ce centre-là doit être en mesure de diagnostiquer. Il faut qu'il y ait un médecin qualifié et compétent. Il faut qu'il y ait une population assez importante pour pouvoir mettre
une institution sous surveillance. Bon, normalement, il n'a pas une exhaustivité, mais on peut dire exactement que les données que présente la surveillance sont plutôt représentatives. Maintenant, pour pouvoir collecter de manière standard, il faut avoir une définition de cas. Et la définition de cas qu'on a pour la surveillance, c'est tout patient présentant des crises récurrentes impliquant tout le corps ou une partie du corps non provoquée par une cause aiguë réversible avec ou sans perte de connaissance. Donc, c'est une définition assez simple qu'on utilise pour pouvoir étendre la sensibilité à pouvoir capter les cas. Et autre définition encore qu'on a, c'est que c'est tout patient porteur d'une lésion neurologique chronique connue présentant une crise. Donc, comme Dr Guibé a dit, donc, si le patient se présente dans une clinique neurologique normalement et le médecin diagnostique des lésions neurologiques, donc on peut dire que on considère aussi comme une définition des cas et on notifie ces cas-là et les notifier sur le système et avoir une information et avoir l'information exacte concernant l'évolution de la maladie. Maintenant, on va commencer depuis 2018, on va dire que la distribution par département, donc j'ai parlé de la distribution géographique de la maladie puisque la surveillance c'est plutôt une analyse descriptive, donc en temps, lieu et personne, donc de phénomènes sous surveillance. Donc on fait plutôt une analyse beaucoup plus simple, de manière descriptive. Donc, on voit que le département de l'Ouest est le département qui a enregistré le plus nombre de cas, à peu près 500 cas et notifiés en 2018. Donc et après vous voyez après l'Ouest il y a le département du Centre et le département du Nord. Peut-être le département de l'Ouest, vous savez que ça représente presque deux tiers de la un tiers de la population haïtienne, plus de 3 millions. Donc peut-être c'est ce qui fait montre une augmentation aussi élevée des cas d'épilepsie dans 2012. Et aussi, il y a plus de centres de santé capables normalement de diagnostiquer les cas d'épilepsie, donc au niveau de ce département. Et en ce qui a trait à la distribution des cas et par semaine épidémiologique, vous voyez qu'il y a des pics entre la 18e semaine épidémiologique et la 39e semaine épidémiologique. Peut-être si on le fait pour 5 ans, on peut voir quand même s'il existe une saisonnalité en ce qui a trait au diagnostic ou à la notification des cas d'épilepsie dans le pays. Et en ce qui a trait à la distribution par sexe, donc vous voyez que le sexe féminin prédomine, donc il y a beaucoup. Bon, c'est pas aussi grand, mais quand même, il y a une augmentation de cas d'épilepsie chez les femmes. Maintenant, pour en ce qui a trait à l'âge, donc j'ai pas fait pas présenté ça en double pour pouvoir lire exactement, mais vous pouvez normalement lire ça pour voir que les cas diagnostiqués sont plus fréquents chez les groupes d'âge entre 15 à 49 ans, donc encore plus chez les femmes et les hommes, donc c'est toujours les 15 à 49 ans qui ont plus de cas d'épilepsie notifiés. Pour 2019, vous voyez, l'Ouest vient toujours en tête avec plus de cas. Et tout de suite après, on voit le département du Nord, le département du Centre qui est toujours là et le département de la Tibonite qui est maintenant qui notifie pour 2019 beaucoup plus de cas comparativement aux autres départements. Toujours c'est la même chose. Vous voyez que c'est toujours entre la 12e et la 18e semaine épidémiologique qu'il y a peut-être une augmentation des cas. Donc, et pour fin d'année, il existe encore une notification des cas d'épilepsie dans le pays. Pour le groupe d'âge, c'est toujours le sexe féminin qui prédomine, avec une augmentation des cas chez les femmes. Pour les groupes d'âge, c'est toujours la même chose, c'est entre les 15 à 49 ans, peut-être les cliniciens peuvent expliquer. Et Dr Guibert, je crois que dans sa présentation, avait montré normalement donc la présence des cas d'épilepsie chez les 15 à 34 ans. Mais ici, nous montrons les 15 à 49 ans, et c'est surtout chez les femmes qui prédominent. Maintenant, pour 2020, pour finir, pour 2020, donc c'est toujours le département de l'Ouest avec le plus grand nombre de cas. Et maintenant, le Nord est en second lieu et la Tibonite maintenant dépasse le département du Centre avec le plus grand nombre de cas d'épilepsie.
Et encore, il y a eu peut-être une saisonnalité encore, donc entre début et fin d'année, ou bien entre fin d'année, il y a une augmentation des cas. Parce qu'il y a trop semaines épidémiologiques, des cas notifiés dans le système national de surveillance. Toujours, et une légère augmentation des cas d'épilepsie notifiés chez les femmes. Et toujours, c'est les 15 à 49 ans, cette augmentation s'avère aussi importante pour ce groupe d'âge. Maintenant, c'est tout donc, que je voulais présenter en ce qui a trait donc, à la surveillance de l'épilepsie donc, dans le système de notre national, dans le système national de surveillance. Et je dis bien que ça a commencé en 2018, puisque avant, il n'y avait pas l'épilepsie comme maladie à surveiller. Mais après une décision de la direction, donc on a intégré l'épilepsie donc dans le système national de surveillance. Il faut dire que j'ai pas montré normalement les slides concernant les accidents et il y a aussi, je crois que le docteur François qui était là comme consultant nous avait dit que il y a un grand nombre de cas d'accidents qui sont dus à des cas épileptiques. Donc je ne sais pas si les clients peuvent l'expliquer. Et on pouvait constater aussi comme en fin d'année, il y a toujours une augmentation des cas d'accidents. Peut-être, je ne sais pas si les cas épileptiques peuvent avoir une incidence majeure sur les cas d'accidents, les cas d'accidents de la route qui sont en nette augmentation dans le pays. Donc, merci pour votre attention. Donc, c'est tout ce que je voulais présenter concernant la surveillance de cette maladie donc, dans le système national de surveillance. Merci. Et vous allez rester avec nous parce que je crois qu'il y a quand même quelques questions qui vous sont adressées auxquelles vous pourriez nous éclairer un peu. Okay? Parce que dans l'intervalle, bon, docteur Barthelmy, il y a déjà une question qui vous concerne. Et par exemple, donc, est-ce que vous pouvez bien nous expliquer, c'est de Jocelyne, est-ce que vous pouvez bien nous expliquer ce qu'on appelle aura avec des exemples? OK. Aura, c'est tout ça que le patient qui fait épilepsie a toujours dit, c'est ça le senti, et puis depuis le senti, il connaît ces crises là qui sont venues, et puis ça prend quelques millisecondes. Par exemple, ça y a un rapport avec qui zone dans le cerveau qui a une crise là. Par exemple, si un patient a une crise qui n'a pas de derrière tête, qui c'est l'homme occipital qui contrôle la vision, le patient doit dire que la lumière flashe devant lui. Depuis que la lumière flashe devant lui, il connaît cette crise là pour venir. Ça veut dire que ça a son épilepsie qui est dans l'homme occipital, dans le sillon calcarien derrière tête. Si l'épilepsie est dans l'homme temporal, donc dans la partie supérieure de l'homme temporal là, qui contrôle l'audition, ça qui arrive, il dit qu'il tendait des bagailles. Il a dit qu'il tendait n'importe quoi. Donc c'est comme si, ça n'est pas capable de dire, c'est une hallucination. Okay? Donc, il tendait un bagaille, et puis, quand il y a là, le monde qui l'a fait, il pas tendait rien, et puis, il n'a pas même tendu mon à côté là qu'il tendait, il connaît qu'il tendait tel bagaille, c'est crise là qui va arriver. Ça qui arrive tôt, il y a des manifestations du système nerveux autonome. Donc, ça qui arrive que patient senti, par exemple, que quel bat fort, ou bien le senti respiration vient rapide, ou bien le douleur abdominale, depuis qu'on connaît qu'il y a douleur, il n'y a pas même dans le monde qui connaît cette crise-là. Donc, aura, par définition, c'est une sensation que patient senti et qui toujours précède la crise-là. Ce n'est pas un seul, là, non? Chaque là, bien crise-là, il est toujours senti, qu'on senti, la crise-là vient. Et gen, des fois, il y a des gens qui sont tellement habitués avec lui, s'il y a un temps, il court, il couche, il allonge le patère pour qu'il soit capable de ne pas frapper et ne pas gagner une fracture, donc, parce qu'il y a un temps habitué avec lui. Mais quand il y a un temps, des fois, des sensations qui sont très étranges dans l'épilepsie partielle complexe, donc, il y a l'impression que son film est regardé. Il est très étrange, il est très bizarre et il a peur. Ça aurait les sensations de jamais vu ou bien sensations de déjà vu. Par exemple, maintenant, il ne va pas jamais à New York et puis là, après crise la Port-au-Prince et puis le dos, là, après la crise la prend, ouais, c'est New York que lié. On ne connaît pas jamais à New York ou bien on ne connaît pas New York, c'est Port-au-Prince que lié.
ou bien les gens des bagages que l'été ouais déjà et puis l'envelé et puis bagages ça reparaît devant lui et puis pendant la fête crise là li ouais yo mais elle connaît c'est des bagages qui pas actuel qu'elle était ouais yo déjà donc sans ça les sensations de jamais vu ou bien sensation de déjà vu mais aura c'est tout ça patient toujours senti et immédiatement qu'elle sentit les connaît ces crises là qui va venir. OK, merci, c'est très clair avec exemple Bayo. Une deuxième question tout de suite pour vous, docteur Barthélemy. Chez un diabétique, comment distinguer les convulsions de l'épilepsie des convulsions de l'hypoglycémie? Alors, toute convulsion par épilepsie, et nous connaissons le cerveau pas passer 5 minutes sans pas jouer un sucre avec oxygène. Diabétique là, la prend médicament le matin, mais faut le déjeuner. S'il pas bien déjeuner, sucre là descend, la tombe en hypoglycémie ça, la tombe, la sué, la transpirer, qu'elle a battu fort, elle quand même rentrer en coma. Donc, et ça fait les recommander chaque fois j'ai un monde qui tombe dans la rue qui perd du connaissance, un petit morceau caramel tout petit qu'on glisse dans bouche là, automatiquement j'en accélère là, donc mon ça absorbe. Donc, dans l'état comateux ou bien dans l'état précomateux qui est lié, donc il y a 5 que ça, c'est un monde qui était en hypoglycémie. Alors, que l'autre partie de la question, c'est. Alors, c'était la différence justement entre convulsion, épilepsie et hypoglycémie. Mm-hmm. Alors, que si c'est un épileptique, convulsion ne doit pas durer un peu de temps. La très bref, mais monde ça qui fait hypoglycémie à cause de. Un médicament qu'elle prend et qu'elle pas manger donc tout autant que l'hypergénion monde qui balle du sucre il a toujours été dans l'état comateux et qui lié à cause de hypoglycémie. Okay. Donc c'est problème glycémie pour nous résoudre la caille. OK, Nancy, merci Nancy, merci c'est une belle présentation. Et tout de suite, toujours, docteur Barthélemy, toujours, bonne question pour vous, toujours, c'est docteur Poitvien qui m'a dit, merci docteur Barthélemy, merci pour ce grand tour d'horizon. Pouvez-vous nous parler de la signification des dysfonctions lentes à l'électroencéphalogramme? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle prise en charge? OK, normalement, électroencéphalographie, on y varie selon l'âge là. On tient monde qui fait fête et normalement besoin de la gagner 1.5, 2, 3 Hertz comme fréquence. On tient monde qui gagne 2, 3, 4 ans, m'a plus joint en theta. Si l'abdomen m'a joint theta delta, ça veut dire 45, 6, 6.5. On tient monde qui n'a 8 ans. Moi supposé joindre électrode qui placé sur lobe occipital yo, je supposé ba en fréquence qui pour petit 8 Hz parce que gon transition qui fait dans cerveau à l'âge de 8 ans. Donc à l'âge de 8 ans, si mon nan qui réveillé qui pas dormi, donc lobe occipital là et pariétal là supposé montrer en fréquence qui sorti de 8 pour arriver en 12 Hz. Donc maintenant leur qu'on y a là ou faire taillon adulte ou bien un jeune enfant et que vous pas joindre en dans de 6 ans qui gagne fréquence de 8 à 12 Hz là. Donc là ça nous dit on de l'an, ça veut dire par rapport à l'âge li, et à état d'éveil que lié on y a moins jeune on qui 2 3 4 ou bien 5 6 avec ou bien gon toute l'autre partie dans cerveau correct mais gon zone côté telle catégorie électrodier c'est zone ça qui bail on de l'an. Maintenant si dysfonction l'an qui bail on de l'an là il très focalisé pendant tout examen, donc ça veut dire en zone ça, neurones y ont en souffrance, neurones ça a gagné des troubles métaboliques qui important, y ont pas arrivé fonctionner bien, y ont pas arrivé by ça veut dire dépolarisation, repolarisation, y ont bien avec hyperpolarisation, donc y ont en souffrance. Premier bah y ont demandé quand on passe un concert, c'est y ont un scanner ou bien un MRI. Pour regarder si pas gagné un problème de tumeur ou bien de problème vasculaire donc qui associé donc dans cas ça mais gagne des patients qui commencent à faire épilepsie à tellement bonheur c'est épilepsie pas permettre que cerveau pas permettre que cerveau développer bien même l'elvin gagne 12 13 14 15 ans
cerveau le semblait avec cerveau un petit monde qui te gagné un an, deux ans. Donc, le, ça nous vient connaître que c'est onde lente ça, c'est onde lente diffuse que y a, c'est tout cerveau à net qui gagne. Et si histoire, son histoire, un petit monde qui te commence à faire convulsion néonatale et qui était épileptique, le, ça nous pas gagné. Nous n'avons pas gagné l'autre bagaille que nous avons fait, nous avons seulement continué de traiter l'épilepsie en la caille, parce que son séquelle que nous avons gagné, cerveau qui est affecté, neurones n'ont pas besoin de développer, même genre avec un petit monde qui était normal. Ok, merci, docteur Barthélemy. Une question toujours, moi, qui a même l'impression, docteur Honoré, qu'elle est prêt. On va continuer. Je m'excuse. C'est des ennuis techniques. Ah oui, c'est des ennuis techniques, c'est ça. On était à... Oui, on avait on était avec les épilepsies chez l'adolescent. Pré ou au cours de l'adolescence. Vous m'entendez? Oui, très bien. On avait parlé d'épilepsie bénigne hollandique. On avait dit que c'est surtout pendant le sommeil. On avait parlé déjà de l'épilepsie à pointe occipitale comme Panayotopoulos et épilepsie gastro, on a déjà parlé. On avait surtout les épilepsies et occipitales, on a dit souvent, c'est surtout les manifestations visuelles, on peut avoir des n'importe quoi, les lumières, les animaux et n'importe quoi et comme manifestation. Et ce sont des épilepsies qui sont déclenchées aussi par la lumière, la photosensibilité, etc. Ensuite, on a parlé de l'épilepsie et myoclonique juvénile et de l'adolescent au syndrome de Jans. Et très souvent, c'est une pathologie génétique à transmission autosomique récessive et dominante, disons. Probablement, très souvent, ce sont les flashs lumineux qui déclenchent ce genre d'épilepsie chez les enfants. Ensuite, on a des cas particuliers et parmi les grands syndromes épileptiques chez les enfants. On a les encéphalopathies évolutives avec des épilepsies graves. On les appelle des épilepsies dégénératives et qui sont souvent d'origine métabolique. On a également le syndrome d'Alpers du nourrisson. C'est une forme d'épilepsie avec athète hépatique. Et surtout, on a un problème au niveau des mitochondries. Et on les appelle également la maladie à prion. On a également des stéroïdes l'hypophysinose. Là, ce sont des pathologies qui liées avec la présence des lipoprotéines et au niveau du cerveau. Et très souvent, on a un tracé plat. C'est l'une des épilepsies qui entraîne un tracé plat en dehors de la mort cérébrale. Et habituellement, c'est l'une des raisons. Lorsqu'on envoie faire un électroencéphalogramme, lorsqu'on mentionne les informations pour nous autres, c'est bien. Et parce que des fois, les gens mettent électroencéphalogramme sans préciser les causes. Et il faut dire que est-ce que c'est de la crise, est-ce que c'est pour éliminer les absences, est-ce que c'est pour éliminer un problème, une tumeur ou quelque chose d'autre. Parce qu'il y a des choses qu'on peut voir, parce qu'il y a un 10% de subjectivité dans l'électroencéphalogramme. Mais lorsqu'on précise des choses, il y a des choses qu'on doit rechercher de toute façon. Ensuite, il y a des affections mitochondriales, et comme exemple le MERF, qui est Myoclonic Epilepsy with Rapid Red Fiber. Et c'est un type d'épilepsie où on a des problèmes au niveau du cerveau avec des fibres rouges qu'on a au niveau du cerveau. On a également la maladie de Lafora, qui est une forme d'épilepsie autosomique récessive, et souvent qu'on rencontre chez les adolescents avec dégradation intellectuelle, atteinte cérébelleuse et pyramidale. Très souvent, ces enfants-là présentent un retard intellectuel vraiment sévère. Et à la biopsie du cerveau, très souvent, on trouve des inclusions. Il y a également l'encéphalite de Rasmussen. Généralement, c'est une forme rare de pathologie d'encéphalite. On l'appelle également encéphalite focale et d'origine auto-immune. Très souvent, ça occupe un hémisphère cérébral. Et très souvent, ça fait partie des épilepsies très rebelles au traitement et aussi associées avec les épilepsies temporales qu'on considère comme les épilepsies les plus rebelles. Et
Le syndrome de Rasmussen présente des crises répétées et souvent, avec, lorsqu'on fait l'imagerie, on trouve qu'il y a des lésions graves au niveau dans un hémisphère cérébral. Ensuite, quelles sont rapidement les autres formes associées d'épilepsie? Il y a les épilepsies associées avec les phacomatoses. Les phacomatoses, on les appelle encore les épilepsies, les syndromes neurocutanés. Donc, là-dedans, on a environ 5 grands groupes. Hein, la maladie de von Recklinghausen, il y a le Sturge-Weber syndrome, qui, là-dedans, on a surtout une coloration rouge vineuse de la face ou bien d'un œil face, et associée avec des lésions cérébrales, et l'enfant présente des crises. On a également la sclérose tubéreuse de Bonneville, qui est souvent associée avec le syndrome de West. Il y a le Van Hippel-Lindau syndrome et puis ensuite, il y a l'ataxie telangiectase. Ça fait partie des 5 phacomatoses. Et pour évoquer les phacomatoses, des fois, il y a des signes qu'on recherche sur la peau de l'enfant. On dit que dès qu'il y a plus de 6 taches de café au lait, de 5 millilitres, c'est un enfant, c'est un préadolescent, on peut évoquer les phacomatoses associées avec d'autres signes neurologiques. Ou lorsqu'on a plus de 6 taches de plus de 15 mm, c'est un adolescent ou un adulte. Là, on a droit à évoquer les phacomatoses parce que c'est quelque chose qui se fait. Très souvent, les parents parlent d'envie et les taches qu'ils voient sur la peau de l'enfant, ils parlent d'envie. C'est des fois, s'il y a plus de 6 taches, il faut plus des problèmes neurologiques associés, il faut penser aux phacomatoses ou les syndromes neurocutanes. Il y a également des épilepsies associées avec lors des AVC, ou bien lors des traumatismes crâniens graves, associés avec les tumeurs cérébrales surtout. Très souvent, pour cette cause-là, une fois qu'on trouve la cause, si on fait l'exérèse de la tumeur, ensuite on fait un traitement, des fois ça, c'est de bons pronostics, dépendamment du type de tumeur. Rapidement, quelles sont les causes favorisant des crises habituellement? C'est faible taux de sucre dans le sang, hypocalcémie, et manque de sommeil, c'est très important, la dette de sommeil, la consommation excessive d'alcool, et prise de drogue comme cocaïne, le stress, les émotions violentes. Après le tremblement de terre, on a pas mal de cas, de nouveaux cas d'épilepsie, parce qu'on a pu constater qu'après un événement d'envergure pareil, très souvent, on peut avoir un foyer latent et qui se réveille. Ensuite, les stimulations sensorielles, les flashs lumineux, les lumières thromboscopiques dans les salles de cinéma ou bien dans les nightclubs, ce sont des choses qui déclenchent les crises chez les personnes. Et Dr. Batim a déjà parlé de EEG. Généralement, pour parler d'épilepsie, c'est ou bien on a deux crises répétées sans non provoquées, ou bien on a une crise associée avec des anomalies à l'électroencéphalogramme. Les diagnostics différentiels se font surtout avec syncope, hystérie. Il y a aussi deux pathologies en période de l'enfance, on peut faire le diagnostic souvent. C'est le spasme du sanglot. Le spasme du sanglot se voit surtout chez les enfants à partir d'environ 8 semaines, 8 à 12 semaines et jusqu'à 5 ans. Ces enfants-là, lors d'un accès de colère, l'enfant peut changer de couleur avec accès de cyanose, et problèmes respiratoires et puis ensuite des mouvements. On pense que c'est une crise épileptique. Pourtant, ce n'est pas une crise épileptique. Il y a également les frissons, les tremblements non épileptiques. Il y a la spasmophilie, qui est une sorte de tétanie, des tremblements, des secousses musculaires qui n'a rien à voir avec les crises épileptiques propriétaires. Il y a également des dystonies, qui sont des mouvements brusques d'un segment de membre ou bien de tout le corps. Et souvent, à l'électroencéphalogramme, on ne trouve rien comme anomalie. Et avec ces choses-là, on peut faire le diagnostic différentiel. Et chez les ados, on parle aussi des crises d'hystérie. Le plus souvent, on parle de crises non épileptiques. Et souvent, les autres personnes parlent de crises d'hystérie forte. Rapidement, on va parler un petit peu du traitement. Le traitement a 3 volets. D'abord, le traitement d'urgence de la crise, il y a crise. D'abord, si c'est une crise partielle, il ne faut rien faire. On attend pour voir. Habituellement, les crises durent quelques secondes à une ou deux minutes, des fois. Et si c'est des crises généralisées, il faut, comme on a déjà dit, il ne faut pas empêcher les crises. On peut
administrer rapidement le diazépam, soit en IV ou bien en intrarectal, surtout chez les enfants. En intrarectal, on donne le diazépam en intrarectal. Habituellement, on donne environ 0,5 mg par kilo en intrarectal ou bien 0,3 mg en IV. Et très lentement. Et puis, sous assistance de l'oxygène également, parce qu'on sait que le diazépam peut entraîner un arrêt cardio-respiratoire. Ensuite, le traitement préventif. Là, on donne des antiépileptiques. S'il y a des crises généralisées, le plus souvent, on donne soit phénobarbital, qui est un ancien antiépileptique qui donne de très bons résultats. Il y a l'acide valproïque, il y a phénytoïne, il y a étoxuximide qu'on peut donner, qu'on n'a pas en Haïti, malheureusement. Il y a également, s'il y a des crises partielles, les médicaments de choix. Généralement, en cas de crise généralisée, ce sont ces médicaments qu'on vient de citer, comme phénobarbital, acide valproïque, phénytoïne, étoxuximide, qui sont des médicaments de premier choix. Mais dans les crises partielles, c'est surtout les benzodiazépines qui sont en tête de liste, comme carbamazépine, clonazépam, ce sont des médicaments qu'on utilise le plus dans les crises partielles. Mais on a beaucoup d'effets secondaires avec ces anciens antiépileptiques. Mais il y a les nouveaux qui sont beaucoup plus utilisés, comme gabapentin, comme triléptal, qui est oxcarbamazépine. Il y a également Keppra, levetiracetam. Il y a l'épitomax. Qu'on donne ces médicaments, on présente moins d'effets secondaires, mais c'est très cher. Très cher avec ces médicaments-là. Et excessivement cher, pour ne pas dire, parce que 30 comprimés de Keppra, ou levetiracetam, ça se vend à 700 $. Et si la personne doit prendre un comprimé deux fois par jour, ça fait 1 400 $ pour le mois. Et des fois, on ajoute 2 ou 3 antiépileptiques. Pour l'acide valproïque, le flacon de sirop, c'est autour de 900 $. Donc, ce sont des médicaments très chers. Et la particularité avec ce traitement, c'est que l'amotrigine, c'est l'un des antiépileptiques qui présente une marge de sécurité, une sécurité très, 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 très et prometteuse chez les femmes enceintes, parce que ça entraîne très peu d'effets secondaires sur le fœtus. La motrice de l'amygdale. Lorsqu'on doit initier le traitement, on peut commencer par une monothérapie. Et lorsqu'on fait la monothérapie, on utilise la drogue en rapport avec le problème. Par exemple, si c'est une épilepsie généralisée, on peut commencer avec les drogues qu'on vient de citer, phénobarbital, acide valproïque et autres. Mais si c'est une crise partielle, on commence par les benzodiazépines. Mais si c'est une crise d'absence, c'est surtout l'acide valproïque qu'on utilise. Parce que pas de tégrétol, pas de carbamazépine dans les absences. Si on donne carbamazépine dans les absences, ça aggrave les absences. On a plusieurs cas comme ça qu'on a trouvé à Clidep qui représentaient des crises d'absence qu'on plaçait sur tégrétol, carbamazépine et les absences deviennent parfois des absences atypiques avec d'autres manifestations. Ça aggrave les crises, les carbamazépines. Et généralement, il faut épuiser un antiépileptique à dose usuelle, parce que, par exemple, il faut aller à la dose maximale avant de dire que ce médicament ne marche pas. Et si ce médicament ne marche pas, on doit ajouter un deuxième médicament. Et lorsqu'on ajoute plus de 2 médicaments, là, on pense à une épilepsie réfractaire. Lorsqu'on a plus de 2 médicaments dans un traitement à dose usuelle, à dose maximale, on peut déclarer que cette épilepsie est pharmacorésistante ou bien et on dit que épilepsie réfractaire. Et très souvent, l'épilepsie de l'ordre temporal. Ensuite, la durée du traitement, habituellement, ça varie dépendamment de l'âge. On a dit qu'au moins, on doit conduire le traitement pendant 2 ans chez l'enfant. Et pour qu'on pense à arrêter le médicament, il faut qu'il y ait au moins 2 ans sans crise sur le traitement et avec électroencéphalogramme normal. On peut commencer un retrait progressif du médicament. Mais si les crises réapparaissent, on va continuer. Il y a des enfants ou bien des adultes, après 4 à 5 ans de traitement, des fois, on ne trouve pas de crise, on peut arrêter. Mais la seule chose, il faut noter que l'épilepsie est considérée comme étant résolue chez un patient ne présentant pas de crise pendant 10 ans et sans avoir reçu d'antiépileptique pendant au moins 5 ans. Dans ce cas-là, on peut dire que ce patient-là est traité, est guéri de son épilepsie. Ensuite,
Et pour les, on a déjà parlé pour l'épilepsie des critiques simples. Et puis ensuite, je ne sais pas si, docteur, si le chirurgien, docteur Barthélemy, a déjà parlé pour la chirurgie. La chirurgie pour les causes. Et si on a une épilepsie focalisée dans, un, dans une région, dans un endroit bien précis, des fois, on fait la chirurgie juste pour éliminer, surtout dans les épilepsies temporales. Je voulais souligner ça, surtout pour les pédiatres qui nous suivent. De nos jours, pour, les, pour la fièvre bénigne convulsive, pour les convulsions fébriles bénignes, et surtout les convulsions fébriles complexes, on préconise d'initier un traitement. Ou bien on fait un traitement préventif, par exemple, lors des crises, on peut utiliser clonazépam, rivotril, on donne ça pendant les crises, on peut donner 0,25 à 0,5 mg. Pendant, divisé en deux ou trois doses pendant la fièvre pour prévenir la crise, ou bien on traite. Pourquoi on traite ces patients-là, les enfants avec convulsions fébriles complexes? On doit les traiter parce que ces enfants-là, on parle de convulsions fébriles complexes, c'est un groupe d'enfants de 6 mois jusqu'à 5 ans lorsqu'on a une variation brutale de la température ou bien une forte température qui présente des crises. Eh bien, il y a au niveau du lobe temporal, surtout au niveau de la région médiale, cette zone-là est sensible, en dessous de l'insula, cette zone-là est sensible à l'hypoxie. Lorsque l'enfant présente des convulsions de plus de 15 minutes, et là, il y a une hypoxie dans cette zone-là qui peut entraîner une sclérose médiale et qui est le centre, le foyer où on peut avoir les épilepsies très réfractaires. C'est l'une des raisons où on doit traiter ces enfants qui présentent les convulsions fébriles complexes surtout. En termes d'évolution, généralement, ça peut évoluer vers la guérison ou bien vers la stabilisation sans guérison ou bien absence de contrôle. Surtout, par exemple, dans le syndrome de Rasmussen, des fois, c'est on fait une hémisphérectomie. Et pour des autres, des fois, on utilise 4-5 médicaments et des fois, on met un pacemaker. On avait un enfant comme ça qui a eu un coma convulsivant et qui avait des lésions cérébrales. Actuellement, l'enfant est sur 4 antiépileptiques majeurs et on a mis un pacemaker qui envoie des signaux négatifs juste pour inhiber le cerveau, pour empêcher l'excitation. Là, c'est vraiment grave avec ces gens d'épilepsie. Mais on ne fait pas ça ici, bien entendu, évidemment. C'est un enfant qui a été quelque part pour faire ça. Et quels sont les bon, Dr. Batini a déjà parlé des problèmes qu'on a. Rapidement, on va parler ça surtout. Épilepsie. Et chez la femme enceinte, on avait dit que c'est la majorité des antiépileptiques chez la femme surtout, on va parler. Si la femme est sur contraceptif oraux, et la majorité des antiépileptiques sont des inducteurs enzymatiques et qui peuvent provoquer une diminution de la concentration des contraceptifs oraux et la femme peut tomber enceinte. Donc, il faut ajuster les doses. Et pour grossesse, on avait dit que c'est la motrigine qu'il faut donner. Et quels sont les conseils? Docteur Batemi a déjà donné les conseils. En termes de conclusion, on peut dire que l'épilepsie, comme on a dit, c'est une pathologie vraiment grave. C'est parce que, je dis grave parce que si on ne fait pas de traitement, dans les pays sous-développés surtout, si on ne fait pas de traitement, ça peut entraîner n'importe des lésions graves au niveau du cerveau si la personne présente des crises répétées. Et on a pas mal d'enfants qui présentent un retard mental et sévère à cause des crises répétées qui ne sont pas traitées. Et c'est une pathologie qui est banalisée, surtout en Haïti. Et les gens, comme a dit Dr. Barthélemy, on reproche souvent à d'autres traitements empiriques ou bien traitements chez les autres personnes. On peut dire que généralement, il y a un autre facteur qu'on a oublié de citer, c'est surtout les cas de neurocysticercose cérébrale qui entraîne des cas de convulsions aussi, des fois réfractaires, surtout lorsqu'on a des calcifications. Et depuis 2012 à nos jours, j'ai reçu environ 4 ou 5 cas de neurocysticercose avec forme calcifiée et qui présentent des cas vraiment d'épilepsie rebelle. Et c'est l'une des causes aussi d'épilepsie dans les pays en voie de développement. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr. Honoré, de cette présentation. Et il y a beaucoup de participants qui, dans les échanges, ont félicité les présentateurs et remercié les présentateurs.
Et nous avons atteint nos bonnes 2 heures de présentation. Et il y a encore 2 ou 3 petites questions et quelques commentaires. Je vous propose quand même un petit dépassement et pour passer rapidement en revue. Et tout de suite, il y a une question qui est adressée, bon, pas spécifiquement à un présentateur, au présentateur. Quels sont les rapports entre la DELR du ministère de la Santé et le CLIDEP, et la CLIDEP? Qui veut bon, OK. Jusqu'à présent, là, il n'y a pas vraiment de grand rapport. Parce qu'on avait commencé ça, on a initié ça, mais on n'a pas de suivi et auprès du ministère de la Santé publique. En 2016, on a eu un symposium, on a eu des gens du ministère qui étaient venus. On pensait qu'on allait faire quelque chose parce que le problème qu'on a, les médicaments sont extrêmement chers. On a des organismes qui nous donnent parfois des aides, mais c'est ça le problème. Souvent, on est à bout de ressources à CLIDEP pour l'achat de ces médicaments. Mais la seule chose, pour nous établissons des rapports, surtout avec l'hôpital général, par exemple. Les enfants de l'hôpital général qui sont hospitalisés, on les exonore. Ils ne paient pas pour l'EEG. Et les patients de HUEH et la paix, je pense que c'est moitié plus. OK. Et peut-être, docteur Willink Pierre, un petit mot sur DELR CLIDEP? Normalement, ce qui est idéal dans le cas des maladies chroniques, c'est d'avoir une surveillance au cas par cas. Et c'est ce qu'on aurait souhaité. Et pour le moment, je crois qu'il n'y a pas vraiment une sorte de relation avec les institutions spécialisées dans la surveillance de telles pathologies. Mais on aimerait implémenter normalement une surveillance au cas par cas, comme on va le faire par exemple pour les cancers et aussi pour les cas de diabète. Parce que lorsque je parle de maladies chroniques, il peut y avoir, les données que je viens de présenter, il peut y avoir des duplications. Parce qu'un patient peut être par exemple à l'hôpital général et aussi être à l'hôpital La Paix. Et aussi être à l'hôpital, je ne sais pas, donc, et par exemple Espoir. C'est un problème. Par exemple, maintenant, lorsque le médecin là-bas diagnostique un cas, suivant la définition des cas que j'ai présenté, qui est très simple, donc on peut avoir un patient donc, plusieurs fois. Donc là, il y a une certaine peut-être sous-déclaration des données, même si je ne vérifie pas ça, mais quand même, je sais que ça peut exister. Okay. Pour éviter ça, pour avoir des données vraiment fiables, pour avoir des données qui peuvent servir normalement et pour prendre des décisions aussi appropriées, donc il faut avoir une définition au cas par cas. Donc, okay. À part l'EPIDEP, à part d'autres institutions, on peut toujours envisager une surveillance au cas par cas, même si au niveau de la zone métropolitaine, puisque c'est un sujet assez intéressant. Donc, ça peut nous aider en quelque sorte à avoir une idée de la situation et avec cette surveillance au cas par cas. Merci. OK, merci. Merci, docteur Pierre. Donc, il y a encore une question. Est-ce que la cartographie, c'est le docteur Poitvien. Est-ce que la cartographie de ces centres est connue par l'ensemble des acteurs en santé et par la population? Commentaire, il est quasiment impossible de faire une couverture nationale avec une aussi petite équipe. Quelle réflexion à ce propos? Alors, je ne sais pas, docteur Pierre ou bien docteur Honoré ou... Bon, et je peux dire que et c'est en partie connu parce que on a reçu des enfants de partout et il y a des gens qui connaissent que CLIDEP existe, mais cependant on n'a pas vraiment assez de publicité à travers la télé, à travers la radio et aussi comme vous venez de dire docteur Desjean, on est l'équipe est vraiment petite. Généralement, souvent, on est dépassé. Généralement, je pense qu'il faut vraiment de nouvelles têtes juste pour pouvoir donner le soin. Dans les perspectives, on avait commencé à CLIDEP. On avait commencé avec Mio Ballet, on a mis une machine. Et à Jacques Mel, mais le problème qui se pose, les gens qu'on avait entraînés, bon, généralement, ils sont laissés.
et on n'a pas vraiment de site actif dans ces zones-là pour donner des soins à ces patients. D'accord. Et avez-vous trouvé des cas, c'est une question du docteur Derivoire, avez-vous trouvé des cas de neurocysticercose parmi vos patients épileptiques? Oui, j'avais dit ça, j'ai reçu environ 4 cas déjà. On a la suspicion, on a fait le scanner a confirmé et on a fait le traitement avec l'albendazole. Et ça a bien marché avec les antiépileptiques et ces enfants-là sont exiavés. Il y a deux seulement avec les classifications qui sont encore sur antiépileptiques. Il y a un autre également que j'avais vu qui était âgé de 35 ans. Donc, il était vu par moi-même. Le docteur Carman et l'équipe de Canada l'avaient revu. Donc, il a fait le scanner, mais la classification était telle. Donc, tout à fait. Il n'a pas pu avoir l'albendazole n'avait pas pu avoir de raison. Bon, finalement, il venait toujours comme quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas pu trouver de solution. Bon, il n'est plus revenu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mm-hmm. Parce que comme a dit Dr. Batoumi, si on est déjà au stade de calcification, très souvent, c'est très rebelle au traitement, très réfractaire. Oui, oui. Une question pour docteur. Excuse-moi, docteur, déjà un petit peu, mais je voudrais demander aux deux et médecins qui viennent de parler, est-ce que dans ce cas, est-ce que ce n'est pas un cas à opérer? Alors, avec bon, le problème, c'est que souvent, les calcifications sont multiples. Si c'est localisé, c'est oui, on peut traiter, mais c'est tout. Les deux cas, il y a deux cas qui ont fait le scanner à Bernameus, c'était des calcifications multiples. Okay. Et pour celui qui avait 35 ans, le cerveau était comme une sorte de constellation. Oh, ok. Merci. Il y a une question pour Dr. Pierre. Quel est le dénominateur base sur la population ou basé sur la population pour la prévalence de l'épilepsie dans chaque région géographique? On n'a pas vraiment ces données-là. Ok. Alors, Dr. Wilnick, Pierre, est-ce que... Oui, Dr. Wilnick, bon, comme je n'étais pas là lorsqu'il présentait vraiment. Je ne sais pas s'il avait présenté quelque chose sur les statistiques. Je me demande, il y a une considération que je voulais faire également sur les cas présentés par DLR, parce que j'imagine certainement qu'il y a des convulsions. Il y a des cas de convulsion et des cas d'épilepsie qui se sont mélangés. Tout à fait. Docteur Pierre, est-ce qu'il y a une petite réaction? Oui, je pense que oui, normalement, bon, pour la première question, et pour la prévalence, c'est qu'on utilise la population totale du département, parce qu'on utilise la population d'études, bon, c'est la population générale. Concernant la question de l'interrogation du docteur Barthélémy, c'est bien ça. Et on a une définition des cas, je crois qu'on a travaillé avec le docteur François, qui travaille dans le temps au niveau de ZL. Mais on voulait normalement avoir une définition des cas aussi adaptée, aussi plus ou moins spécifique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut penser à une surveillance. Et au cas par cas, une surveillance sentinelle, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les institutions, puisque un dispensaire, comme je viens de le dire, un dispensaire où là où il y a un médecin pas assez qualifié, pas assez spécialisé, peut-être on ne peut pas normalement définir pour dire exactement c'est un cas d'épilepsie, ça peut paraître comme un cas de convulsion. C'est pour ça qu'il faut voir en quelque sorte comment on peut s'asseoir ensemble, et c'est pour ça que j'avais demandé, parce que je participe aujourd'hui dans cette présentation, pour qu'on puisse travailler ensemble sur une définition des cas et avoir aussi des institutions prisées pour mener une surveillance sur l'épilepsie, parce que c'est pas une mauvaise affaire, c'est pas n'importe quelle maladie, un cas de fièvre qu'on peut quitter quelqu'un, un cas de malaria que n'importe quelle personne peut diagnostiquer, c'est quelque chose qui demande vraiment des gens spécialisés pour pouvoir pour avoir une idée exactement de la situation, puisque on dit que la surveillance permet normalement d'estimer l'importance des phénomènes sanitaires, mais avec des sous-déclarations ou bien avec une définition d'état aussi mal conçue. Donc, on peut toujours avoir des difficultés à cerner le problème et porter une solution pour lui.
Donc Clidep et DELR ont du pain sur la planche. Et j'ai une question de Jürgens, oui. La croyance religieuse et le manque d'éducation sanitaire ne jouent-elles pas un rôle important dans le sous-diagnostic de l'épilepsie en Haïti? Certainement. Évidemment. Ça joue à plusieurs niveaux. Parce que l'une des premières étapes dans le traitement, c'est l'éducation du patient et des membres de la famille qui l'accompagnent. Premièrement, pour les aider à accepter le diagnostic, pour les aider à agir sur les facteurs de risque, parce que très souvent, et quand les gens viennent, et je peux vous dire, 80% des patients que nous recevons, ce sont des gens qui sont déjà allés rechercher un miracle ailleurs ou bien un traitement traditionnel quelque part. Et je vais vous dire quelque chose, il y a quelqu'un qui revenait des États-Unis il n'y a pas longtemps, ça fait moins de 3 mois, qui a été allé au Ghana et il a dépensé, on lui a dit qu'on allait lui traiter pour 30 000 $ américains. Il avait déjà versé 15 000 $américains. C'est un patient de Clidep qui est de l'Éogan qui l'a rencontré et qui lui a dit, n'allez pas verser les autres 15 000 $américains, je vais vous emmener quelque part. Et quand on a fait l'électro pour lui, il avait des points on, des décharges épileptiformes généralisées. Et on lui a placé ce traitement. Il est rentré aux États-Unis, mais il allait donner à ce médecin, ce praticien là, il allait lui donner 30 000 $américains, mais il avait déjà donné 15 000. Et nous recevons beaucoup de gens, même si ce sont des gens apparemment éduqués qui ont fait l'université, mais qui croient que c'est un mauvais sort, c'est un voisin, c'est un mauvais esprit. Et il n'y a pas longtemps, on a reçu une jeune fille qui est en classe de seconde. Il a eu la crise à l'école. Le directeur de l'école, quand il était par terre, le directeur de l'école lui donnait des coups de pied. Donc, parce que pour lui, c'était un mauvais esprit, etc. Donc, ça, c'est la première conséquence. La deuxième, les gens commencent le traitement. Donc, même s'ils n'ont pas encore atteint donc, la limite en termes de date pour avoir l'épilepsie contrôlée, donc, ils abandonnent le traitement. Parce qu'on leur dit donc qu'une église ou bien un pasteur ou bien un prêtre peut faire mieux. Donc, ça influence également certains patients qui ne viennent même pas à la consultation, surtout les patients qui ont des crises, avec peut-être une crise par année, 2 crises par année. Donc, ces gens-là sont influencés négativement. Donc, ça a un impact très, très, très important donc, sur les patients. Merci. Et en plus, docteur oui, Desjean. Oui. En plus, il y a des patients qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont l'épilepsie. Parce que moi-même, j'ai rencontré l'une de mes patientes. Bon, elle n'a pas pris le médicament depuis environ 3 ans avec électro normal. Bon, je voulais qu'elle témoigne aujourd'hui. Elle ne voulait pas. Vous connaissez quelqu'un? Je voulais qu'elle participe à cette présentation-là, juste pour témoigner comment, jusqu'à présent, pendant 3 ans, elle n'a plus de crise avec EEG. Avant, elle était anormale et maintenant, elle est normale. Elle ne voulait pas. Mm-hmm. Mais vous connaissez des cas de stigmatisation pour des cas d'épilepsie? Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des, moi-même, j'ai dû envoyer et plusieurs notices dans les écoles, même dans les écoles congréganistes où il y a des gens vraiment bien formés, et j'ai dû envoyer des notes pour dire que c'est pas une pathologie contagieuse, on doit accueillir l'enfant à l'école. J'en profite pour vous rappeler que on aura bientôt un thème sur la santé scolaire, donc vous avez du pain sur la planche aussi là. Et un tout petit rappel peut-être rapide, parce que je crois que cette question a été déjà répondue, mais il y a Ancio Dorcellus qui demande quand la chirurgie doit intervenir. Bon, les patients qui ont des crises, alors le premier postulat pour la chirurgie, la crise doit être focale. Parce qu'on ne peut pas opérer la crise généralisée, parce qu'on ne peut pas enlever tout le cortex cérébral. Deuxièmement, c'est la récurrence des crises malgré les traitements anti-épileptiques bien conduits et bien respectés avec une bonne compliance des patients. Donc, parce que l'objectif du traitement médical, c'est d'améliorer la qualité de vie. Mais ces patients avec des crises focales, donc qui
en dépit du fait qu'on a appliqué la monothérapie, le patient a observé le traitement, on a ajouté la bithérapie, donc il a observé, ça n'a pas marché, on arrive même à la trithérapie et les crises persistent et la qualité de vie n'améliore pas. C'est un patient qui est candidat pour la chirurgie. Mais il faut dire aussi que la localisation du foyer épileptogène est très importante pour la chirurgie. Et nous faisons l'électroencéphalographie, ce n'est pas avec l'électroencéphalographie standard qu'on le fait. Le standard que nous faisons là maintenant, c'est avec 19 canaux en fait. Et pour pouvoir bien localiser donc, le foyer, donc on fait des électroencéphalographies avec 250 câbles sur le crâne, 250 canaux. Donc pour pouvoir bien localiser, on l'appelle même la tomographie électrique cérébrale. Et ensuite, on fait la MRI de haute résolution. Et il y a même des endroits, le patient porte le casque qui enregistre l'électroencéphalographie. Et en même temps, on le fait passer dans le tunnel de la MRI. On fait les deux ensemble, donc ce qu'on appelle l'enregistrement accouplé. Donc ensuite, on va voir comment superposer le pic de voltage le plus élevé dans une zone par rapport à la zone où la MRI montre qu'il y a une altération. Je peux ajouter aussi, docteur Desjean, par exemple, là où je passais à l'hôpital Notre-Dame où on traite beaucoup de cas d'épilepsie réfractaire. Et c'est quelque chose qui est très délicat. Des fois, on doit faire une craniotomie pour placer les électrodes directement sur le cortex. Et la personne reste avec la craniotomie pendant plusieurs jours juste pour essayer de localiser, comme a dit Dr. Batemi, avec les 200 épités, les codes juste pour localiser le foyer exactement. Là, c'est un risque, il y a un risque d'infectieux et extrêmement. Il faut qu'il y ait vraiment une zone stérile. En transition avec les électrodes, une question de Jocelyne. Qui ça qui a expliqué le monde lundi, il sentit que ses vols a réfléchi, couru 10 000 km par seconde, il consentit l'électricité dans la tête? Il y a des gens, par exemple, qui parlent d'électricité. Par exemple, il y a des gens qui présentent soit des crampes ou bien des sensations de décharge, par exemple, des sensations de décharge sur le corps et autres. Et comme Dr. Batemi avait parlé des différents types d'épilepsie, par exemple, il y a l'épilepsie pariétale, des fois, qui se manifeste par des troubles somatosensitifs, avec soit de chaleur ou bien de picotement ou bien des sensations de décharge électrique sur le corps. Des fois, il y a des formes d'épilepsie qui se manifestent comme ça. Et en présence de ces cas-là, il faut quand même faire un électroencéphalogramme pour éliminer une épilepsie. OK. Je ne sais pas si Dr. Batemi a d'autres choses à dire. Oui, Dr. Batemi. Surtout si c'est en rapport avec le gyrus post-central. Tout à fait. OK, merci. Et Jean-Baptiste, oui, merci pour cette édifiante présentation. Sa question est, existe-t-il un régime alimentaire spécialisé adapté à un épileptique? Oui. Et la première chose, quand on fait l'éducation pour les patients, la première chose, c'est que le patient ne doit pas passer des nuits sans sommeil. Passer des nuits sans sommeil, le cerveau ne récupère pas. C'est un stimulus qui va permettre le lendemain matin ou bien vers 2h, 3h du matin, donc les crises peuvent survenir. La deuxième chose, le patient épileptique ne doit pas consommer de l'alcool. Parce qu'en consommant de l'alcool, il va créer une interférence avec les récepteurs GABA. Donc, comme ça, les glutamates vont prendre le dessus et les crises peuvent survenir. La troisième chose, c'est la diète qu'on appelle la diète cétogénique. Dans la diète cétogénique, c'est qu'on diminue la consommation de sucre et on augmente proportionnellement la consommation de graisse. Mais c'est une diète, des fois, qui est très bien suivie par les diététiciens. On doit mesurer ce que la personne prend en termes de sucre, ce que la personne prend en termes de graisse. Mais ce que je dis peut-être de manière globale aux gens, si vous avez eu l'habitude, par exemple, de prendre un verre de jus le matin avec 2 cuillerées de sucre, vous prenez 1 cuillerée. Mais si vous n'avez pas eu l'habitude de consommer, par exemple, du fromage, vous ajoutez 2 ou 3 tranches.
donc pour remplacer l'énergie qui venait de l'autre cuillerée de sucre. À midi, si vous n'avez pas eu l'habitude, vous avez eu l'habitude de consommer les salades vertes avec au sec. Maintenant, vous prenez de l'huile végétale, vous arrosez pour ajouter un peu de graisse non riche en cholestérol. Et le patient peut même prendre un verre de jus de fruits naturels sans sucre pour diminuer la quantité de sucre. Donc, en diminuant la quantité de sucre, l'organisme va utiliser le surplus de graisse pour produire l'énergie. Et ça, les corps cétoniques ont tendance à bloquer les canaux de sodium. Donc, qui déclenche en fait la dépolarisation et ça donne des résultats. Il y a des études qui ont même relaté qu'il y a des patients qui ont eu la résolution de leur crise épileptique seulement avec la diète. Avec la diète, tout à fait. OK. Et bon, alors malgré leur avancée, il y a encore des questions. Bon, est-ce qu'on essaie d'avancer encore un tout petit peu? Jürgens, lui, dit qu'il y a un problème, on a un problème de phénobarbital comprimé, enfin un problème de disponibilité apparemment. Quelle explication on a de cette situation? On en a pour l'instant. Généralement, le seul laboratoire qui produit le bon phénobarbital sur le marché, bon, le phénobarbital, c'est le laboratoire 14. Généralement, des fois, il y a des ruptures de 2 ou 3 mois. Récemment, on a eu une rupture d'environ 2 mois. Et on a un autre phénobarbital comprimé venant de la République dominicaine, mais c'est sous-dosé par rapport à ce qu'on nous dit que le dosage. De même pour le sirop aussi. Mais des fois, 4C fait de son mieux pour donner le phénobarbital. Il y en a maintenant sur le marché. OK. Et rapidement, Woodline Fontil, remercie les présentateurs. Très enrichissant. Et bon, on demande de partager les présentations, ce sera fait bientôt par le FMC. Et elle aimerait savoir le rapport entre l'indication de la chirurgie et l'anesthésie. Est-ce que j'ai saisi un peu la question? Bon, je l'ai lu tel quel. Est-ce qu'il y a peut-être des précautions? L'anesthésie comme méthode de traitement de l'épilepsie ou bien bon, c'est pas l'anesthésie précise. Que l'on donne chez ces patients? C'était pas précisé. Bon. Peut-être qu'on répondra à cette question par voie de électronique. Donc, probablement. Donc, on demande à Woodline Fontil de nous écrire. Et ensuite, on a encore des remerciements. Et une personne qui a souffert de l'encéphalopathie ischémique et anosique, quels sont les pourcentages qu'il a de développer l'épilepsie? Et habituellement, ça représente entre 15 à 20% de ces enfants-là sont épileptiques. OK. Et aussi, est-ce que la prise d'antiépileptique au long cours n'entraîne pas des troubles de la case sanguine? Surtout avec phénitoïne, des fois, on a ça. Avec phénitoïne qui interfère avec l'absorption de vitamine K, des fois, on peut avoir ça. Et puis avec carbamazépine. Mais pour les autres, c'est pas souvent, sauf si on a une dose toxique des fois et qui entraîne des dommages hépatiques assez sévères. On peut avoir ça avec interférence avec les facteurs vitamine K dépendants. Merci. Je crois qu'on a quand même fait le tour de questions, des petits commentaires, remerciements. Oui, docteur Barthélemy. Autre chose que j'allais dire pour le traitement. Et on pratique aussi comme méthode de traitement, par exemple, la stimulation du nerf vague, mais c'est les centres très spécialisés. Donc, On pratique aussi la stimulation magnétique transcraniale. Donc, on applique le stimulateur magnétique sur le cortex cérébral. Et après chaque pot de stimulation magnétique transcraniale, donc, il y a un aplatissement du voltage. Donc, on l'avait commencé de manière expérimentale en 2000-2001. On l'avait surtout appliqué en psychiatrie chez certains patients, mais on s'est rendu compte que non seulement ça aide en psychiatrie, mais ça aide également en épileptologie. Il y a des centres qui l'appliquent parce qu'après des séances, il y a un aplatissement, il y a une résolution temporaire des crises et il y a des patients qui passent plusieurs mois sans crise après des séances de stimulation magnétique transcraniale. Autre chose que je voulais préciser, pour le lobe temporal aussi, comme Dr Noré en a fait mention,
les neurones pyramides, les cellules pyramidales de Betz que nous avons au niveau du lobe temporal, ce sont des cellules qui ont un seuil de dépolarisation très bas. Donc, ce qui fait que le trigger qui va déclencher la crise donc, est beaucoup plus facilement, rentre beaucoup plus facilement en activité que les autres zones du cortex cérébral. Et ceci est un élément qui favorise le caractère rebelle des épilepsies du lobe temporal. Docteur Honoré a parlé aussi des émotions. J'ajoute pour dire aussi ce que je dis toujours aux patients. Les émotions ne viennent pas du cœur. Les émotions viennent du cerveau. Même lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime de tout mon cœur », en réalité, c'est un mensonge parce que le cœur vraiment n'a rien à voir avec les émotions. Le cœur ne fait que ressentir ce que le cerveau donc, a fait. Donc, il y a dans le lobe temporal, avec le rhinocéphale, le cortex para-hippocampal et tout ça, et l'amygdala y participe. Donc, ça forme ce qu'on appelle le système limbique, le cerveau émotionnel. Donc, à chaque fois qu'il y a une émotion, que ce soit positive ou négative, ça correspond à des décharges électriques au niveau du cortex cérébral. C'est pourquoi les gens qui sont soumis et en fait à des émotions fortes, c'est un facteur qui peut favoriser la survenue des crises. Eh bien, grand merci. Et sur ce, je vais passer le micro au docteur Poitvien, qui va peut-être nous faire des messages clés, des recommandations et pour la fin. Le mot de la fin, Geneviève? Oui, bonsoir et merci. Un grand merci aux conférenciers. Vous avez été vraiment très, très, assez exhaustif et vraiment vous nous avez gratifié d'une très, très belle session. Donc, merci au docteur Guibert Barthélemy et au docteur Claudie Lhonoré. Nous avons été très impressionnés de votre performance. Je veux dire merci aussi, bien qu'il ne soit pas là, au docteur Ernest Barthélemy, qui a pensé justement nous envoyer ces mots qui ont été propos, qui ont été lus par le docteur Delivoix. Ça a été, on remercie aussi, on lui fera part de nos remerciements. Naturellement, on n'oublie pas de remercier toujours Jérémy de nous inviter et de nous recevoir sur BSD La Vie. Merci également à tous les participants qui sont restés. On a du mal à rester les 2 heures. Maintenant, vous restez avec nous et pratiquement 3 heures d'écoute, ce qui nous fait énormément plaisir. Donc, merci. Merci de vous libérer. Merci de venir prendre la peine de discuter et de réfléchir avec nous. Et mes remerciements pour terminer aux intervenants du comité de pilotage, Eunice, Dr. Desmond, Dr. Bouchelin. Merci. Les messages clés? Le premier message clé, je pense, qui a passé dans vos propos, c'est que l'épilepsie est une maladie cérébrale certaine, grave, méconnue, et qui nécessite un diagnostic et un traitement précis, accessible, surtout que le pronostic cérébral est même vital, peut-être un jour. Donc, le message est très clair pour nous et devrait nous permettre, devrait vous permettre de faire un lobbying certain pour éliminer toute cette trace d'à côté de stigmatisation, de déni de la maladie ou même d'utilisation de médecine parallèle pour pouvoir la prendre en charge. Ce qui est vraiment, 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 vraiment un grand dommage, surtout que diagnostic et traitement sont accessibles. Le deuxième message clé, je pense, qui a passé, on aurait pu dire si on n'avait pas une définition, mais pour Haïti, avec tout ce que nous a dit le Dr. Barthélemy, on aurait presque pu dire qu'il s'agit d'une maladie orpheline, Dr. Barthélemy. Pas d'aide, pas d'association, pas de reconnaissance par le ministère, pas de prise en charge dans les départements. D'accord, ce n'est pas la définition de maladie orpheline, mais on pourrait presque tenter de la mettre dans les maladies également orphelines. Donc, je pense que c'est un message clé qui demande une réflexion, surtout que je pense que de nombreux professionnels qui sont là avec nous, que ce soit dans le domaine de la médecine interne, que ce soit dans le domaine de la pédiatrie, c'est une maladie qui est très douloureuse, qui est portée par les familles, qui est portée par l'épileptique lui-même, et qui mérite une réflexion et qui mérite aussi la recherche de solutions de voir comment on peut aider ces gens-là à prendre en charge et à vivre cette maladie.
Le troisième message clé, l'aide du CLIDEP qui semble vouloir, comme malgré l'équipe est très petite, comme un diable dans un bénitier, c'est ça? Et qui était de dire, nous sommes là, et nous faisons de notre mieux, nous faisons de notre mieux pour les départements, nous faisons de notre mieux, bien que ce soit, j'ai pas entendu ça, et à domicile, dans les hôpitaux, etc. Donc, il faudra nous laisser vos coordonnées parce qu'on sent le souci d'apporter une aide, des solutions, que ce soit sur le plan diagnostic, que ce soit sur le plan thérapeutique. Comme je vous dis, il y a de nombreux professionnels qui sont probablement qui sont là avec nous, qui doivent faire face à cette douleur des patients, aux douleurs des familles dans le cadre de l'épilepsie. Quatrième message clé, le MSPP parle des centres sentinelles. J'ai été impressionnée par le nombre de centres sentinelles pour la surveillance de l'épilepsie. Donc, c'est un message clé. Donc, c'est au docteur Pierre que je disais, mais est-ce qu'on a une cartographie, on a un mapping de ces centres sentinelles-là? Parce que ce soit pour le CLIDEP, que ce soit pour les acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit aussi pour les patients, c'est intéressant de savoir qu'il y a des centres sentinelles. Donc, on a bien entendu ça, le docteur Pierre. Donc, je pense que ça aurait été une bonne chose, effectivement, qu'il nous fasse parvenir le mapping de cette surveillance. Les recommandations, bon, la première, je pense, grosse recommandation qui en est ressortie, je pense, c'est la nécessité urgente de réflexion et de décision des différents secteurs, même s'ils ne sont pas nombreux, qui sont impliqués dans la prise en charge, que ce soit en termes de surveillance, que ce soit en termes de diagnostic et de traitement de l'épilepsie. Réflexion, mais aussi des décisions organisées, tant pour le diagnostic que pour le traitement de l'épilepsie. Et puis, en deuxième recommandation, j'avais envie de dire, c'est vrai que le docteur Barthélemy n'est pas là, mais il a laissé les propos au docteur Derivoy, le plan ACO semble être prêt à faire sa part, une partie du chemin, étant donné que c'est une détresse cérébrale, même si elle est peut-être rarement accessible surtout dans notre pays à la chirurgie, mais je pense que c'est une je pense que le plan ACO est comme une main tendue au CLIDEP et au ministère justement pour faire réflexion et faire décision organisée, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc il peut faire partie des recommandations également, rentrer dans un processus de réflexion et de décision avec les différents autres acteurs qui interviennent. Donc, voilà ce qu'on a pu noter. Et je pense que c'est le petit peu. Je pense que ça a été vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je dis à tout le monde merci de rejoindre le FNC sur BSD La Vie. Comme vous devez maintenant le savoir, le FNC, c'est une quarantaine maintenant, je pense, de professionnels, et pas seulement dans le secteur de la santé, qui ont vu le plus large possible pour faire les réflexions. Sur notre groupe WhatsApp et depuis bientôt, je pense que c'est la 17e intervention depuis juin 2020 en Haïti ou Haïti avec des Haïtiens. Donc, merci encore de vous rejoindre le forum médico-chirurgical. Nous vous attendons le 21 avril prochain, comme avait commencé à vous dire le docteur déjà, pour le début de notre saison pédiatrique. Nous allons commencer la saison pédiatrique avec la santé scolaire et le docteur Erwan Joseph. D'accord? Donc, je vous dis très rapidement aussi les prochaines dates. Vous allez recevoir les invitations. Nous allons parler d'infection urinaire de la saison qui est à Paris. Il y aura aussi les intervenants haïtiens. On va parler d'oncologie pédiatrique avec le docteur Sabine Yotin. Elle aussi est une oncologue française à Paris. Il y aura également des intervenants haïtiens. Nous allons parler également de la drépanocytose. Ce sera probablement, je dois vous dire, les deux interventions des professeurs français, ça va se faire le 18 mai et le 3 juin. Donc, vous êtes déjà invités. J'ai dit 21 avril pour le docteur Erwan Joseph, 18 mai pour le professeur Audry, 3 juin pour le docteur Yotin. La drépanocytose, ce sera probablement le 5 juin ou début juillet. Donc, Docteur Fadier? Oui.
Alors, oui, oui. Oui, allô? Comme vous parlez de drépanocytose, et je voulais vous signaler que très bientôt, je pense que si tout va bien, on aura l'échographie transcrânienne à l'hôpital général, parce que je dois partir ce week-end pour aller prendre une formation aux États-Unis, en Floride, pour sur l'échographie transcrânienne, pour les drépanocytaires. C'est une étude comparative qu'on va faire pour les enfants des États-Unis avec les enfants d'Haïti et concernant la drépanocytose. Et on va nous donner une machine et il y a environ 4 hôpitaux qui vont faire l'échographie transcrânienne. Bravo! Donc, on vous attend déjà à cette période-là. J'espère que vous serez déjà de retour. Mais de toute façon, je pense qu'on a pris quand même un certain nombre de contacts dans le milieu avec la CHUEH, avec un certain nombre de centres. Donc, je pense qu'on va mettre tout le monde sur la table. Et l'importance, effectivement, est de cette réflexion-là en santé pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, pour que tout le monde saisisse et qu'il y a un rôle et qu'il y a une participation et qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent se faire avec de très bons niveaux si nous tous nous faisons cette réflexion-là ensemble et pour l'avancement et pour les malades haïtiens. Donc, je te remercie de l'information. On le note et probablement que tu sois à l'étranger ou que tu sois ici, tu recevras l'invitation et on te demandera de participer avec nous. D'accord, donc c'est je t'interromps juste un petit moment, Geneviève, si tu permets. Nous avons Dr Ernest Barthélémy qui est finalement monté. Donc peut-être un tout petit mot, Dr Barthélémy. Oui, Ernest. Oui, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, d'accord. Eh bien, tout d'abord, je m'excuse, je suis très désolé d'avoir raté le forum. Il y a eu un empêchement, une intervention chirurgicale. À laquelle j'ai dû assister. Mais je ne sais pas si le docteur Desrivois a déjà pu partager avec vous la petite rédaction que j'ai faite. Mmh. Eh bien, très bien. Eh bien, il y a d'autres que... La question chirurgie-anesthésie. Voilà. Chirurgie-anesthésie, c'est ça. Eh bien, comme je pense que vous avez déjà remarqué, la chirurgie reste une thérapie potentielle, une thérapie possible pour l'épilepsie qui n'existe pas encore sur le territoire haïtien. Et les raisons sont multiples. J'en ai parlé de quelques-unes. Mais je pense que la chirurgie pourrait devenir une des thérapies offertes. Si nous faisons ce qu'il faut au niveau de la santé publique, au niveau national, en termes d'organisation des soins chirurgicaux dans le pays, aussi bien que si nous développons l'imagerie dont il est besoin pour localiser le foyer épileptogène chez les patients atteints d'épilepsie qui peuvent bénéficier d'une intervention chirurgicale. Ce sont des traitements de l'avenir, mais qui n'existent pas encore en Haïti, à ma connaissance. Merci. On te remercie, Ernest, et on est très heureux que tu fasses cette clôture pour nous. De toute façon, dans les recommandations que je me suis permise de penser et de mettre dans les recommandations que le plan ACO pourrait être en travaillant avec les secteurs déjà existants de l'épilepsie, pourrait permettre une avancée, même si les traitements chirurgicaux ne sont pas aussi fréquent dans l'épilepsie, mais je pense que vous pourriez effectivement travailler ensemble pour des réflexions, comme il s'agit de la survie du cerveau, et dans l'épilepsie, travailler ensemble pour voir si éventuellement cette pathologie est tellement orpheline, c'est le mot que j'ai utilisé en Haïti, puisse avoir des réflexions sérieuses et des décisions prises aussi à plusieurs dans le secteur. Et je pense que Plan ACO peut être éventuellement une solution. Okay? Tout à fait.
pour aider CLIDEP, le ministère, etc., à aller de l'avant dans le domaine de l'épilepsie. En plus, si je peux me le permettre, je ne sais pas si le docteur Guibert Barthélémy en a déjà parlé, mais en faisant des recherches pour mes préparations pour ce forum, j'ai trouvé des études qui ont été faites avec des partenaires au Canada, des neurochirurgiens canadiens justement qui ont mené des recherches sur l'épidémiologie de l'épilepsie en Haïti. Oui, on a vu ça. OK, voilà. Donc, je ne sais pas ce que sont leurs projets, mais je les connais et je pense que justement avec un partenariat plurilatéral, il y a des choses, des réflexions, c'est sûr, mais peut-être même plus que des réflexions qui peuvent être faites. Oui, enfin, je reste persuadée. Et comme je disais, le forum est un lieu de réflexion, d'accord, pour Haïti, pour les patients haïtiens, par des Haïtiens, quel que soit, et à distance nous permet, quel que soit là où se trouve le partenaire, de se dire la main et de se réseauter pour l'avancement justement de cette de en Haïti pour les prochaines années. Aussi déjà. D'accord, donc je n'ai qu'à vous dire merci à tous encore une fois. Au revoir et bonne soirée. D'accord, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Donc, nous clôturons. À la prochaine.